Ah, c'est ici qu'on fait les trucs. Je l'avais jamais su. Hein. Donc, c'est ici qu'on fait le filtre. Hein. Ah, c'est ici qu'on fait le filtre. Je n'ai jamais compris. Donc, c'est ici qu'on fait le filtre. Ah, ouais. Je ne savais pas. Ah non, moi, je veux pas les filtres là. Waouh, c'est beau aussi, Lolo. Maman, mais Lolo, ma pardon, dépaillez-moi, c'est la fin du mois. C'est comment avez-vous? Waouh, maman, tu fais quoi? T'as pas un le chocolat? Kinder, là, que papa va acheter ton chocolat en boîte là. Il l'a pas racheté. Il n'y a rien de sucré là. T'as pas de bonbons? Donne-moi un verre de chien. Tu peux pas, quoi. Amé, Kamé, connectez-vous aujourd'hui à. Et connectez-vous ce soir à 19h. Je vais faire un direct pour parler. Pour parler de. Bon, connectez-vous ce soir à 19h. Parce que franchement, parfois quand tu restes calme, j'ai réfléchi. Parce qu'un bon mot, il était quoi que j'ai peur d'elle. À 18h, 19h, 20h, je vais faire un direct. Voilà. Vous n'avez pas le monopole des injures. Merci ma fille. C'est gentil. T'as pas une tenue de maison? Tu portes un pantalon. Cherche un truc, un peu une petite culotte, tu portes. Allez, le pantalon, ça traîne partout là. Après tout sucré. Non, il n'a pas été condamné. Tu sais, quand tu as les problèmes avec le tribunal, hein, quand tu as les problèmes avec le tribunal, hein, avec la police, avec la justice, en gros, ce n'est pas les histoires du quartier, gars. Ça n'a rien à voir avec le quartier. Quand tu as des problèmes en justice, ça n'a rien à voir avec le quartier. Une fois tu reçois une plainte, surtout en Afrique, tu reçois une plainte, surtout quand tu viens de Benin, que tu es en Afrique, tu n'as plus le même système de vie. Tu reçois une plainte. Pas dans le direct, non. Tu reçois une plainte. Dis-toi que c'est le début des problèmes. Si tu peux déjà arranger à l'amiable avant que ça n'aille loin, fais-le. Parfois, le bras est fait. C'est surtout quand tu sais que tu as tort. Quand tu as raison, c'est autre chose. Tu peux. Momo, il est. C'est quelqu'un qui a sorti le faux profil là. Bonsoir, bonjour Esther. Bonjour Cindy Force Force. Bonjour Laure Tuta. Laure Tuta. Tu as mon prénom et le nom de ma cousine. Donc, maman, Gloria. S'il te plaît, arrête le feu là, sur la sauce de pistache là. S'il te plaît, waouh, ça va brûler. Malice Colo, bonjour. Bonjour, Géry Flore. Quoitou Sucré, bonjour, pardon. Caroline de Turan, bonjour. Je disais ceci, que quand tu as les problèmes avec la justice, quand tu as les problèmes déjà, que tu as les problèmes avec quelqu'un, que la personne t'a porté plainte, si tu sais que tu as tort, le mieux c'est de t'arranger à l'amiable et d'en finir avec cette histoire. Ça ne sert à rien de faire un bras de fer. Sois content sur les gens que. Je ne dis qu'un. Hein, le président de Bombo, il était n'a aucune relation au Cameroun. Quand on vous parle, vous croyez qu'on ment. Tu comprends, non? C'est le fouma-fouma. Quand on dit que les illettrés, ça, ils n'ont ni ligne ni écrit. Moi, c'est lire. Je peux dire que j'ai là, dit que. Je parle même le faux français. Ce n'est pas grave. C'est que je peux lire là qu'on écrit que Macron continue à aller sur le terrain. C'est tout. J'ai lu ça. On peut écrire là que bon, voilà une information. Alerte, alerte en France. Ne sortez pas de vos maisons. Quand je suis seul à la maison, c'est à lui, je dois aller pas là. Papa, faut y aller pas là. Papa, faut y aller pas là. Il n'y a personne qui est là. J'ai fait un direct, j'ai dit qu'on sait que bon, je suis à la maison, c'est qu'on est à l'agence en France.
Allait en France sur la manne. Ne sortez pas de vos maisons à partir de telle heure parce qu'il y a peut-être un tueur en série dans les rues de Reims. Faites attention à vous. C'est écrit là à la télé. Si c'est la Molus, je ne sais pas. Je ne sais ni ligne qui. Hein? Hein? Bon, il est. Tu vas lire comment ce qu'on a dit à la télévision. Là, tu vas sortir, tu prends la voiture. Allez te retrouver avec le tueur en série dans les rues. Tu avais dit qu'on t'avait tué. C'est pas tu ne sais ni qui. Quels sont les gens qui t'encouragent à dire que tu t'exprimes? Tu t'exprimes mieux que qui? C'est parce que moi, je parle vite, je parle parfois la connaissance. Tu t'exprimes pas mieux que moi. Je suis désolé. Tu ne peux pas t'exprimer mieux que moi. Ça, même que ce soit le jour. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qu'on vous raconte même souvent là? C'est pas moi, je parle vite quand je suis énervé. Tu t'exprimes pas, tu fais beaucoup de fautes quand tu parles. Moi, je me... Qu'est-ce que tu racontes là? Bon, moi, il est très. Tu es venu me mentir, c'est là que ton président de Gélard dit que le président de Bombo, il est très. Il a les relations. Il a quelle relation? Hein? Il a quelle relation avant qu'il ne m'a pas gardé en cellule 30 minutes au Cameroun? 30 minutes, j'étais confronté à lui dans le bureau du Niais. Oh, face à face. Il y a des que tu manques dans les heures, que tu ne demandes pas pardon. Envoie-moi au collègue, je vois. Prouve-moi que le pays, s'il n'y a pas la justice. Prouve-moi que le pays, si c'est un pays corrompu. Mais non, ce n'est pas un pays corrompu. Où sont les preuves? Je n'ai pas. Avec les vestes azou, les couilles à la main. Il n'a rien. Bon, il est très. J'ai toujours dit que ce sont les gens qui salissent l'image de l'image. Il faut pas venir me distraire, Alex. Ce sont les gens qui salissent l'image du Cameroun. Ces gens-là qui peuvent porter plainte hein, au Cameroun, abusivement au Cameroun, aux gens, soit disant qu'on le, on est. Soit est-ce que tu as les preuves qu'on t'insultait? Non. On appelle ça le trafic d'influence. Pour le président de la diaspora, ce n'est pas le trafic de l'influence. Parce qu'il a les preuves. Pour les imposer pour le trafic de l'influence. Parce qu'il a ses preuves. Lui, il a quelles preuves? Rien. Il a les preuves. On voit dans les vidéos, avec image à l'appui, la personne est identifiée en image. Même s'il ne s'appelle pas Amot. Parce que son nom, ce n'est pas Amot. Hein? Dites Vondo. Son nom, c'est Vondo. Martin. Donnez le nom Vondo Martin. Quand vous attendez que vous avez les relations, quand vous n'avez pas peur. Amot, ce n'est pas son nom. Dites Vondo Martin, on voit. Vous êtes souvent entendre que machin, machin. Quelqu'un m'a même dit que tu parlais de quoi? Hein? Amé Kamé, c'est notre frère. Je ne suis pas content que ma mère Kamé enfermé. Jamais de la vie, pas vous mentir. C'est la raison pour laquelle je lance direct pour le président Amour. Que pardon, arrête avec ton petit frère là. Arrête avec ton grand frère la miap. Arrête avec ton grand frère la miap. Ce garçon-là nous fait souvent rire dans les réseaux sociaux. Avec ces trucs qui disent Amé Kamé qui commence à crier là. Il nous fait rire. Il faut pas qu'il suive. Il va suivre ce groupe de faits, de menteurs. Il va sur ce coup de personnes, des menteurs, avec des bonbons, des illettrés qui mentent l'enfant là. Ils ont, je suis même sûr qu'ils ont déjà escroqué son argent. Je suis sûr qu'ils ont escroqué son argent. Ils ont déjà fait ses dons. Avec un tu as une jeune que tu es sorti de chez tes parents. Tu t'es battu, tu as arrivé en bain. Tu es battu avec ta maman dans le patriotisme. Tu es parti de ta mère, si on l'a vu. Qui t'a soutenu quand ta mère était morte? Je n'aurais même vu faire les dire, vous faites les condamnations à ta mère, personne. Tu es arrivé là-bas, tu as fait tout quelque bon. Ton père maintenant va rester seul, il va rester avec qui? Pour accompagner ton père, tu as déjà été installé au Cameroun, faire tes poussées et tes poulets que tu fais là-bas et aller te balader en brousse. Ouais, les frères, donc tu es tranquille, tu vois, il y a un poil sur la toile, tu sais pas comment il fait pour Fingon. Quand il vu que ça allait, moi j'ai fui la fête, que hé hey! Fingon m'attend le Cameroun avec sa police. Oh. Fingon m'a tendu au Cameroun avec ça, avec les nia à l'aéroport. Je ne suis pas dans Fingon à ses relations. J'ai fui. J'ai enlevé ma tête dedans et que parler encore que mon grand, mon petit frère Fingon demande pardon. Enlevant la fesse, je suis qui tu ça. Oui, oh. J'ai dit que mon Fingon, mon frère chéri, je quitte sur ça, pardon. A fait sans caleçon. Je n'ai pas, ça va pas servir de leçon. Avec le sort de les dit, tu vas encore me retrouver à cause de la fesse. Si. Non, maman, je sors. Je ne suis plus dedans. Arrangez ça là-bas. Oui. Vous partez tromper l'enfant de tuer. Même le, même s'il reste même là-bas, même, même toute la journée, à l'heure actuelle, il est dans les cellules, il est en cellule au parquet. Il était déposé ce matin avec le président de Gélard, dit que le président de Mbombo, il est très. Il a dit à l'enfant que j'arrive, il est à 14h, il n'est pas encore rentré. Il est quelle heure? Choupinette, il est quelle heure? Il est quelle heure au Cameroun? Donnez-moi l'heure du Cameroun.
Waouh, Seigneur. Tu n'as plus qu'à fortune, bye bye, je te bloque là. Parce que j'aime pas qu'on te dise à ma parole, bye bye. Il est 14 au Cameroun. Yeah! Depuis le matin que l'enfant est en cellule. Le président de Mbombo, il était, tu es où? Va libérer l'enfant, on voit. Ya! Ya! Le président de Bombo, il est très. Tu as laissé l'enfant en cellule. Tu as dit que tu arrives. Il est 14 heures. Les poussins ont soif. Les poussins n'ont pas mangé. Les poussins n'ont pas mangé. Les poussins ont soif. Son pauvre village, il attend son enfant. Venez, tromper l'enfant de tuer. Tout le matu vu. Vous utilisez les enfants, les gens, pour faire vos matu via les réseaux sociaux. Hein? Vous utilisez les enfants, les gens. Pour faire le matin via les réseaux sociaux. Mbombo, il est très. Appelle ton président. Il est 14h, l'enfant est toujours enfermé. Pourquoi? Ya! Ya! C'est qui à la télévision? Russie, Europe, la guerre du gaz débute. Viens lire et voir. Mbombo, il est très. Viens lire et voir Internet. Les utilisateurs. Viens lire. Viens lire, je vois. Hein? Alternative au gazon russe. Polio, livraison norvégienne dès octobre. Viens lire, je vois. C'est écrit là que la Russie va bombarder Rouen. Tu n'as pas lu, viens lire, hein. Ben, ils vont commencer par ta maison. Chouane. La fin, j'avais dit que. Le faux, j'avais dit que. Hein? Il est 14 heures, elle est bipée, le président de Mbombo, il est très. L'enfant est en cellule. Hein? Vous n'avez pas les numéros? Même moi-même, le fait que je suis à Boise, j'ai quand même un numéro au Cameroun. Tiens, on connaît ça. Ouais, maman, Amen, Amen. Mon petit frère est fan d'Amen, Amen. Mon petit frère, il adore Amen, Amen. Quand il dit Amen, Amen, j'ai mis mon petit frère. Amen, Amen. Quand on veut venir m'énerver au Cameroun, quand je suis couché le matin, quoi, il se manque. Amen, Amen. C'est ça, je ne peux pas le croire. Ya, vous trompez l'enfant de tuer, il a pris son âme, il vous a amené en bois dans la nuit. Le président de Bombo, il est tiré le mapan. Il est caché dans les bars. Il est dans un bar, il est dans le taxi. Il roule en taxi à Houndé. Taxi jaune, même pas en coup, 100 francs. 100 francs, maladeux. 100 francs et sauce. 100 francs, mon frère. On dit c'est 250 le taxi. Dans mon petit dépôt, moi j'ai 100 francs. Avec la veste de midi, moins le cas. Ya! Va libérer l'enfant dans celui-là. On veut voir Amen, Kamer dehors. Amen, Kamer, je le préfère. Il vient même aboyer l'enfant. Comme il m'a. C'est mon collègue à aboyer, on aboie ensemble. Qui vient même on aboie ensemble, tous les deux dans les réseaux sociaux. Va en libérer Amen, Kamer. Tu as dit que tu as appelé le numéro, non? Un bel numéro. Un bel qui jump. Tu n'as rien. Le président de Bombo, il est tiré. Tu es fini. Choupinette. La fille de Lolo. Maman Mani. La femme du commissaire priseur. Amen, Amen. Pardon, je peux pas venir m'amuser, ma mon compte. Ouais, un bon. La fille du commissaire Pizer, Madame Biaï. Madame Biaï. Madame Biaï. Ouf. Quand il vous dit que quand il parle ici, ma fille, mon abeille n'entend pas. Vous entendez comment j'appelle? Madame Biaï. Waouh. Ok. Ouais, Amen, Kamé. Adjop. Adjob, Amen, Kamer, Kareki, l'homme à Nyang. Ouais, Ayoé. Il m'a fait le dé là-bas au stade de Rennes. Oh, Choupinetto, Amen, Kamer. Oh. Ton petit fils défend le Amen, Kamer. Tu es. Christian, on ne vient pas dire ça que libérer Amen, Kamer. Je vais demander que le président de Gélard dit que c'est ce matin qu'il y a une voiture qui a déposé. Le président de Gélard dit que. Au commissariat, au parquet. Quand monsieur Amen Kama arrive, direction la cellule du parquet de Yahoo, comment du palais de justice. Le président de Gélard dit que de Bombo, il était dit que j'arrive. Il est 14 heures, l'enfant l'a fait quoi dans le tri? La cellule, oh, l'enfant l'a fait quoi en cellule, oh, ya, prends tes numéros, tu appelles, on libère. Tes numéros font quoi?
dans ton téléphone. Appelle le numéro. J'ai les numéros, j'ai les numéros. N'importe quoi. Appelle les numéros. Tes numéros, tu as le répertoire bourré. Appelle, prends ton répertoire. Appelle. Appelle. Comment vous allez que le Cameroun avance et le Cameroun d'aujourd'hui? C'est la justice qui fait son travail. Et je te dis, si un Kamé sera libéré. Parce que si nous sommes là pour plaider, que le président ne fait pas ça, c'est ton frère. Nous allons appeler le président que non, c'est de la procédure à s'arrêter. Nous sommes des frères. Tu as parlé, l'a compris. Nous allons tout faire. Parce que je ne peux pas laisser que le président, je ne peux pas. Je ne peux pas. Le Romain, insultez-moi. Si vous voulez insulter moi, ce n'est pas grave. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais Kamé, je ne le déteste pas. Je vous jure, ça tombe à fond, maman. Moi, il me fait souvent rire. Même quand il me classe, je n'arrive pas. Je ne vais pas jouer dans cette dirigerie. Mais il est, parfois, il est très dur dans ce qu'il dit. Mais bon, voilà. Hein? Oh. Hein? Hein? Donc, c'est pour vous, voyez. Je suis obligé d'appeler le président. Tu peux donner mon téléphone, va appeler le président moi, en direct. Non, gars, il faut qu'il ait le jour là. Il est 14. Oui, parce que non, vous savez. Moi, je pense pas plus à lui, hein. Je pense à son papa. C'est son papa, il vient de perdre sa femme. Et son fils est un peu là comme son soutien, son tout. Tu vois? Il sait qu'il est parti là-bas. Tu sais pas ce qu'il peut se... Le papa, il est triste. Hein? Parce que les gens l'ont menti. Si un mec à mère, un garçon responsable, ce qu'il aurait fait quand il est sorti, il devait appeler son frère ou mettre peut-être un intermédiaire parmi eux. Que voilà, on vous appelle, on fait bon arrangement à l'amiable. Tu peux aller les excuses à ton frère, puis la vie continue. Tu fais ta vie, fais sa vie. Mais ils sont venus là, hein, comment, il a dit Kamo, c'était pour vous exciter. Son nom, il s'appelle Pamo. Il ne peut pas porter plainte à partir d'Amo. Ouais, ma fille, je suis en direct avec le même téléphone. Attends, je t'appelle dans notre WhatsApp. Ouais. Attends, j'appelle le téléphone de Gloria. Ma fille, appelle-moi avec le téléphone de Gloria. Gloria! S'il te plaît, après, viens me donner ton téléphone là. Tu as le crédit, moi. Tu peux appeler. Ma belle, ça appelle encore. Appelle encore, ma belle, ça appelle. Prends le numéro pendant que tu appelles là. Maman, c'est où le clavier? Ma belle, ça appelle encore. Je vais prendre ton numéro pendant que tu appelles. Ma belle, ça appelle. Tu es dans le direct de l'appel. Parce que je ne peux pas voir le numéro comme ça. Je ne sais pas si tu m'appelles que je peux voir le numéro, mais là, je ne peux pas. Donc, j'ai été informé par les... Ma belle, s'appelle alors. Où tu sais qui va intervenir? Qui va intervenir? Bon, ce que je vais dire tout à l'heure... Ouais, je n'ai même pas le niveau, j'ai fait l'erreur de faire le direct. Choupinette! C'est pas un peu mon téléphone qui est dans la chambre là, pardon. Comment j'ai dit que Mbombo? Ici on dit que Mbombo il est très. Donc, le Cameroun a encore montré un grand message à la diaspora. Le Cameroun a encore montré un grand... La justice camerounaise vient de nous montrer, de nous envoyer un grand message pour vous dire que nul n'est épargné, que la loi s'applique envers tout le monde. La justice camerounaise vient de montrer au président de Mbombo illettré que la justice camerounaise, il ne suffit pas de rester au quartier et de prendre un téléphone, appeler et dire que... Waouh, non, n'appelez pas sur mon téléphone, man, je suis en direct là. Mais il faut souvent manquer de respect aux gens comme ça. Je suis en direct. D'accord? Donc, je disais tantôt que la justice camerounaise vient d'envoyer un grand message à toutes ces personnes-là qui se disent qu'ils ont les clés du Cameroun, qu'ils ont les autorités entre leurs mains, qu'il suffit d'appeler parce que je suis ami avec tel ministre, je peux me permettre de faire n'importe quoi parce que je suis dans un parti politique, que je suis membre d'un parti politique parce que je vais insulter les Camerounais, la diaspora, au nom du président Paul Biya,
Paul lui avait dit, le premier Paul lui avait dit qu'il lui veut le Cameroun uni. Que tous les Camerounais sont ses enfants. Il a dit non à la division, non aux tribalistes. Ça, il a toujours dit ça. Alors, certaines personnes se sont crues supérieures aux autres Camerounais parce qu'ils sont pas alignés au parti au pouvoir, soit disant qu'ils vont utiliser leurs relations pour nuire à ces Camerounais-là qui n'ont pas de numéro comme eux. Alors, une certaine bobo illettrée, elle veut nous dire que quelqu'un est resté au Cameroun, il a appelé à la gendarmerie et dit qu'on libère une personne et la personne était libérée. Ou on a, cette personne a reçu des éloges et des compliments envers sa personne. Et ce sont ces personnes-là qui luttent contre le trafic d'influence. Ce sont ces personnes-là qui luttent, qui dénoncent, qui crient au scandale, qui a eu trafic d'influence dans une affaire où il y a motif. Hein? Vous vous rendez compte, je vois que vous, ils ont une affaire que, non mais il faut se dire la vérité. Ces personnes-là qui disent que, oh, trafic de fleurs, oh, pourquoi il n'a pas porté plainte en France, oh, machin, machin. Mais, donc, ils ont appelé le président de VSM Kaki, le président de Gela a dit que le président est resté soi-disant bombo illettré. Le président est resté à la maison comme il avait fait avec moi. Et Flore de Lille, de tout le reste, il est resté à la maison, il a appelé à la gendarmerie. Ça, c'est d'abord manquer du respect à un corps de la police. Parce que quand il y a une affaire à la gendarmerie, c'est quand même la police, ça, c'est la police, c'est ça. C'est l'armée camerounaise qui est représentée. Donc, il est resté à la police. Chez lui, il a appelé la gendarmerie. Et on a dit, bon, vas-y, cherche deux garants, là. Et puis, il sera libéré. Non. Ça ne se passe pas comme ça. La justice dit que, même en France, quand tu es arrêté, si tu as une caution, tu seras libéré. Parce qu'avec ta caution, c'est comme une garantie. Alors, alors que c'était du mensonge, ils ont menti notre jeune frère Amer Kamer. Ils ont menti parce que Amer Kamer avait en face de lui un voleur, un féman. Un voleur féman que son temps est passé. Il est maintenant au Kouata, il discute les Guinness avec les enfants au quartier. Les cadibiers. Ils discutent, ils ouvrent la baisse, ils prennent le capsule, ils regardent si ça a gagné pour avoir la deuxième bière. Vous parlez même de quoi? Quelque chose qu'on a vécu en direct. Quelqu'un s'assoit au bain, il 50 fois de remboursement, il agresse la servante, même donné mes 50. Il dit 50. Vous parlez de quoi? Hein? Cette justice-là aujourd'hui, vous venez pleurer ici. Moi, je vais vous bloquer. Hein? Si tu m'emmues, on ne pleure pas. Bonsoir, la rose africaine du 237. La blogueuse, la rose africaine, je vais en elle a une page. Allez vous abonner. Tout le monde va faire le blogging. Celui qui est de mon côté. Oh, Mate Zoua, Mate Chopin. La boss lady qui est en ce moment sur le territoire européen pour des vacances avec sa famille suisse, suisse, allemande. Maman, Mate, on se voit à Paris. Hein. Je te fais un café sur les Champs-Élysées. Là. Oh, Mate Chopin. C'est de ça qu'il s'agit. Waouh, Kati FMI, bonsoir. Mate Chopa, la boss lady. Maman, donc tu as pris la vie, Mate. Et quand tu as pris la maman, Mate Chopa a pris la vie, elle est en bain. Elle est du côté, tu es où en ce moment, Mate? Tu es en Suisse ou tu es en. Je sais pas où. Et puis, il y a le palais à Odja. Le palais à Odja. Waouh, je suis. Ouais, vous m'avez coupé la parole. J'ai peur de ce qu'il a dit. Le président de Bobo Inesie, c'est un jongleur. C'est un jongleur. Je vous dis que quand on donne les gens. Le président de Bobo Inesie, il est dans le fait, il n'a rien fait avec. Il mangeait, il fait le boucan. Il a acheté les artistes. Nous allons écouter ce que Maman Katino, la reine mère. La reine mère du Bikusi, celle qui a révolutionné le Bikusi, celle qui a donné la valeur à la langue Betty avec ses chansons, celle qui a. Mais dis donc, Katino, quand il s'attendait, même mon père hier à la télévision, quand il voyait Katino, j'en dis comment, c'est Marie, il dit qu'elle fait rire, hein. C'est tout, c'est fait que Wagam, mais c'est bien, tu regardes quoi, les fesses de la femme, là. Katino a dit que, donc il a voulu me minder, j'ai barré. Vous voulez écouter? C'est le piège. Maman, parce qu'elle appelle le nom de la personne, de là, moi, je peux pas mettre ça. Nous, on a peur d'Ingata. J'ai peur d'Ingata. Ma Katina a dit que je ne cante pas avec toi. Je suis une star. Tu viens au coin. Je chope tes deux mains, les vœux propres. Va dire.
Ça, on va encore, nous allons encore sortir les voix, c'est là. Maman, le bas de ça. Le président de Bobo Illettré manque l'enfant. Il a fait son argent. Rembourse à la mère, quand même. Rembourse son argent. Ya. Yeah. Un homme qui prend le car pour la Yaoundé. Un président qui prend le car. Même pas le car express. Le car VIP. Le car de 2000 pour la Yaoundé. Pour venir jongler. Il a bu le vin hier, Dior. Manger Dior. Et maintenant, l'enfant est parti vous amener le bois de Yaoundé. Il a dépensé son argent, oh. Le matin, j'arrive. Il est 14h. Nous, on veut Amer Kamé. Nous, on veut voir Amer Kamé. On veut voir Amer Kamé dans le poulailler. Nous, on veut voir Amer Kamé avec les poules, les poussins. Ya! Yeah. Vous mangez l'enfant et tu vous mangez son argent, vous mettez sur ça. Ouloulouloulouloulou. Bitoum dans son tête, bipez tout Facebook. Bipez tout Facebook. Le président de Bobo, il était à mentir à mec à mère. Tu as le numéro? L'enfant a fait quoi en cellule? N'importe quoi. Tu as le numéro? N'importe quoi. Vous allez mentir. Le trafic de fiat pour mentir au Camerounais. Nous n'avons plus peur de vous. Maintenant, on va vous laver qu'avec vos noms. Les noms du quartier. Le président de Gila dit que. Tu as même dit où ton nom t'appelle. Le président de Gila dit que. Vous allez m'entendre. Tu viens, tu manques l'enfant. Mais tu es jaloux de lui. Oui. Ah, on ne peut pas détester à mec à mère. C'est toi. Le problème, j'ai là dit que tu veux détruire la jeunesse camerounaise. Tu veux détruire la jeunesse camerounaise, tu as échoué. Où les autres sont en train de réussir. Hein? L'enfant devait se poulailler, avec ses poussins, il était convoqué, il pouvait arranger son frère, la méable. Il pouvait arranger son frère. Le problème devait finir, on pouvait s'asseoir et arranger. Le bas de fer ne sert à rien. Le bas de fer ne sert à rien. C'est deux Camerounais qui valorisent le Cameroun, chacun à sa manière. Hein? Le Mbombo, il était appelé. J'ai appelé mon président. Il a dit que comme il était à Yaoundé, oh, c'est marché, marché. Le... Comme il est alors président, il a fait les élections de la Sonacam, non? Pourquoi son représentant n'a pas gagné? Pourquoi celui qui soutenait n'a pas gagné? Ma belle numéro. Ma belle numéro. Ou un belle qui jump, qui a rien, ou que joue? Hein? Mais deux. Il mentait la fois de tuer. Je vais envoyer mon pays, il va aller donner quelques. Vraiment. Amer Kamé, c'est notre frère. Amer Kamé, c'est le frère du président Amot. Nous envoyons les cœurs, dites au président Amot que président, avec elle, nous sommes tous, moi-même j'étais tcham. Moi-même j'étais tcham ici, tout le monde a vu. Il faut que cette procédure s'arrête. N'allez même pas que on va prolonger la plainte, on va prolonger le jour du tribunal, non. Que cette procédure s'arrête. Parce que j'ai senti de mentir l'enfant là. C'est de mentir l'enfant là. Il faut qu'il soit libéré. Parce qu'il soit peut-être si le procureur. Parce que vous croyez que le procureur travaille beaucoup, hein. Le procureur peut dire que je l'entends à 23h. Hé! Hey! Je vais encore faire une journée. Lui, le procureur peut dire ça. Hein? Le procureur peut dire que. Le Lorient a encore gagné. C'est la partie de 19 là qu'on soit qu'il est vraiment condamné. Non, grâce divine, je n'ai jamais dit ça. Peut-être quand tu viens dans mon dieu, tu comprends pas ce qu'il est dit. Je ne suis pas ici là pour jubiler qu'il soit en cellule. Il faut bien écouter. Il a été libéré le vendredi, mais il devait se présenter au bureau du procureur ce matin. Il s'est présenté au bureau du procureur ce matin avec le président de Bobo Illettré. Il est arrivé, il allait se présenter, on l'a directement mis en cellule, dans la cellule du tribunal. Le président de Bobo Illettré est parti depuis ce matin, il n'est pas rentré. Ce n'est pas qu'il va, on n'envoie pas quelqu'un en prison comme ça, non, il ne va pas l'envoyer en prison. Mais le temps qu'il met, quand il dit que tu as les numéros, toi tu comprends pas ce que je dis? Moi ça m'étonne parce que le président de Bobo Illettré a dit qu'il a les numéros. Parce que c'est lui qui a forcé qu'on libère cet enfant de la gendarmerie, vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on parlait, c'est comme si on parlait le. Je parlais mal. Donc j'explique tout. Bon, je vais aller doucement comme j'écris. Tu vas me demander comment je sais. J'ai mes réseaux. Comment tu sais? Viens serrer mon cou et dis. Viens attraper mon cou. Serre mon cou. Il sait. Donne-moi mes informations. Moi aussi, le numéro. Je suis en live. Comment tu sais? Je sais Bimoulin. Donne-moi, je vais te dire comment il sait. Tu veux dire, non, la personne m'a dit. Quand on venait dire que Alette, Alette, on venait dire que Laura, et Laura est entrée au bureau d'Interpol. Je lui ai demandé comment elle était au courant.
Tu viens me demander que comment tu sais. Comment tu sais. Comme tu es la police, on va porter plainte. Je suis FBI, Colombo. Je suis au courant qu'en ce moment où je vous parle, donc j'explique doucement parce que l'autre là ne... Attendez, ici dans mon direct, on ne suit pas le président Amouti. On ne suit pas Amer Kamer. Si vous ne voulez pas ici, parce que vous ne voulez pas ici dans la paix, vous ne suivez pas les gens. Si vous ne voulez pas venir ici à la paix, je vais vous bloquer. Parce que tu n'as pas le droit d'insulter la formation de l'enfant de quelqu'un. Voilà, tu vas insulter ailleurs. Il ne faut pas venir. Nous, ici, nous sommes ici. Ça, c'est un direct de paix. C'est un direct de paix. C'est un direct pour appeler à l'apaisement. On a assez joué. Les choses vont déjà à une dimension où moi, je ne suis pas. Je ne veux pas. Donc, ici, c'est un direct de paix. Je ne travaille pas, papa. À la fin du mois, Philippe, j'aurai le salaire plus que toi. Peut-être j'aurai même un pas de 1500 euros. C'est le salaire que tu te lèves, tu peux travailler. Tu as compris? Tu travailles où? C'est moi qui, je travaille avec le Zorban qui est entre les cuisses de ton grand-père. Tu as compris? Tu ne vois pas ce qu'il fait? Je m'occupe de lui tous les jours. C'est grâce à moi qu'il n'a pas encore, quenché. Tu as compris? Si je m'occupais pas de ton grand-père, c'est qu'il a quenché depuis. Regardez-moi quelqu'un. C'est le travail qu'elle travaille là. Je m'avais signé CDI. Je touche pareil. Attends. Je vois une fille que je cherchais depuis. Elle est... Elle vient me citer. Je la bloque pas. Si elle ne me cite pas, je la bloque pas. C'est le direct de la gloire glorieuse, le direct de la paix. Nous sommes ici, je suis un enfant, j'ai été élevé dans le christianisme. Ma mère m'a toujours dit, ne fais jamais du mal à ton prochain. Quand je fais quelque chose, que je me défends. Je ne médite pas sur le mal de quelqu'un. Parce que dans la vie, si on ne sait jamais, ça peut t'arriver. Ces gens-là se sont moqués de moi hier. Ces gens se sont moqués de moi hier. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire la même chose. Parce qu'ils ont voulu déformer mes paroles. Je leur ai dit que mon combat dans cette affaire, c'était pour dire aux internautes que le président Amouti n'était pas, il était dans son droit. Rien n'était illégal quand tu suis la procédure. J'ai été victime. J'ai eu deux plaintes au Cameroun. Une plainte était recevable, une plainte était non recevable. Vu qu'il n'y avait pas de motif. Il n'y avait pas... Et tu peux plaindre pourquoi? Elle m'a insulté. Oui, prends les preuves. Tu es incapable de donner les preuves. Mais c'est là du pense. Elle t'a porté plainte? Oui. Vous avez les preuves? Oui. Elle sort les vidéos. C'est comme ça. Elle a le droit. Donc, ce n'était pas un trafic d'influence. Trafic d'influence, j'ai subi, je suis victime du trafic de l'influence dans mon pays. Et comme le Cameroun a changé, que la justice fait son travail, la justice est libre, j'étais innocenté. C'est-à-dire que, sans même, quand j'entends encore Bobo, il était venu que l'affaire là sur son cou. Ouh! J'ai pas encore reçu de convocation, hein. Si je vais au Cameroun, il faut que je vous me donne une convocation, je me présente. S'enfuir. Alors maintenant, le président de Bobo Illettré, comme il est incapable, il aime le matu vu, il fait semblant de ne pas aimer les réseaux sociaux, alors qu'il aime les réseaux sociaux parce qu'il a les enfants, les personnes qu'il place dans les réseaux sociaux pour venir faire le combat avec le président Amouti. Parce qu'il ne supporte pas que son temps est passé. Tu n'as rien fait de ta part. Les terrains, tu as tout vendu. La maison, c'est comme si c'était un cimetière. La maison est tout faite, il y a tous les qualités de... Je ne peux pas vivre dans une qualité de maison comme ça. Le gars, maintenant tu t'alignes derrière la jeunesse camerounaise pour détruire et séparer, diviser les Camerounais. Ce n'est pas bon. Quand deux font un problème, cherchez à mettre la paix. Cherchez à mettre la paix et non la division. Il n'y a rien qu'on n'arrange pas. Même les enfants d'un même père, même mère se battent et ils arrangent. Même dans les familles, il y a des problèmes, on arrange ça. Donc ce n'est pas un problème qu'on ne peut pas arranger. On pouvait arranger tous ces problèmes-là dès le début. Que même une fois qu'Amer sorti de cellule, on devait trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Et puis on oublie ça. Mais bien au contraire, vous avez commencé à faire une propagande mensongère.
une propagande mensongère parce que vous voulez faire le bon effet pour pouvoir le faire. Que je suis qui pour me prouver les choses? Pourquoi vous avez tout, vous prêtez trop attention à ma personne alors que je ne suis rien? Je vis à Reims, je n'ai pas l'argent, je suis bombo, je suis ceci, je suis cela. Vous avez déjà autant dit, autant composé des phrases pour salir ma personne. Vous n'avez pas assez au point d'utiliser les enfants d'autrui. Les enfants que leur père compte sur eux. Les enfants qui ont dit, ils ont leur petit projet, leur petit truc au Cameroun. Pour vouloir qu'on fait le bras de fer, on va pouvoir le lofondjaque. Nous allons pouvoir montrer. Entre temps, c'est un père qui pleure son enfant. Entre temps, c'est un enfant qui devait être dans son poulailler en train de nourrir ses poussins. C'est pas peut-être parce que je l'ai diffamé, je l'ai clashé hier, que je vais venir et que je vais faire la même chose de Dieu. Non. Mais vous êtes toujours dans la haine. Encouragé à faire le mal. Et l'homme n'est son. L'homme n'est son. Son, c'est quoi? Son, c'est quoi? Qui a peur de ça? Nous, on a massé les pays où tu te lèves la nuit, tu vois une grande mère qui se transforme en jeune fille. Nous sommes sortis de là vivants. La seule personne qui détient nos vies, c'est Dieu. C'est Dieu. À peine rentré du deuil, bon, il est très. Ya! Yeah! À peine rentré du deuil, l'enfant n'a même pas encore fait un mois sur la tête, tu es assis sur le canapé, tu promets là. Tu demandes qu'on lance le son à l'enfant de quelqu'un. Ya! Yeah! Ta parole m'a dépassé. Nul et sans effet. Ça n'atteindra pas cet enfant-là. Parce qu'il est l'enfant de quelqu'un. Nul et sans effet. Tu n'as pas dit au Camerounais que tu avais mis le coin. Tu l'avais vu, Lydia, à 8 mois et demi de grossesse. Vu, Lydia était à 8 mois et 3, une semaine de grossesse. Tu as pris son coin, tout, tu as mis sur les réseaux sociaux. Tu as dit que tu ne demandes pas, pas. Toujours à cause de la même personne. Le président de Gila a dit que vous avez mis ensemble. Tu as écarté avec le père-là. À cause du président de Gila a dit que. Parce que c'est un problème des femmes. Elle classe le répé comme tu classes sur le président de l'autre côté. Tu dis que si tu ne demandes pas pardon à mon président, je te donne jusqu'à 18 heures. La femme était enceinte. 8 mois et une semaine de grossesse. Je vais balancer ton poids tout dehors. C'est l'homme de sa mère avec qui tu bignes à travers WhatsApp qui t'a donné les photos là. Tu as balancé. La fille a eu une crise. C'est là où j'ai dit que l'enfant que tu cherches là, tu n'auras jamais ça. Il faut dire aux gens pourquoi ils sortent cette phrase. Parce que tu as fait ça à une femme qui attendait un bébé que tu cherches. On fait ça? On peut faire ça à sa soeur camerounaise? Toujours à cause du président de Gela dit que parce qu'il veut prouver aux Camerounais qu'il est supérieur. Tu n'es. Tu es nada. Tu es loco. Tu es nada. Quand on veut parler des hommes d'affaires au Cameroun, nous parlons de Spad Diamant. Padjama, c'est un homme d'affaires discret, fort. Vous voulez nous saouler la gueule. Parce que le petit mange son argent. Bonsoir le maréchal de Komamougou. N'oubliez pas de vous abonner à sa page. Merde, moi j'aboie. Hein? Parce que toujours la même personne. Le président de Gela dit que, en sorte que Mbombo illettré a publié la nudité d'une soeur camerounaise, Virus Lydia, à 8 mois et 10 jours de grossesse. La fille était presque à terme. Elle a dit, je te donne jusqu'à, comme tu as insulté mon président, virgule, je te donne jusqu'à 18 heures. L'heure ne m'échappe pas. Comme Amel Kama avait dit à Massio, il voit que rendez-vous de 18h. Lui, il n'avait pas honoré à son rendez-vous, mais elle a honoré à son rendez-vous. À 18h, elle a balancé la nudité de vue. Alors, je suis en train de le dire de mini minor. J'ai dit que l'enfant, quand tu cherches là, tu n'auras pas. Tu ne peux pas être en train de chercher l'enfant. Tu prends la nudité d'une femme qui est enceinte. Tu balances ça dans les réseaux sociaux. Ça se balade partout. La fille fait une crise. Je ne vais pas te dire ça pourquoi. Parce que j'ai peur de toi. Je t'ai dit ça. Oh, ah. Parce que l'acte que tu as commis, c'était vraiment très dangereux. Ça, c'est bol avec quelqu'un. Tu as pensé qu'en elle, elle gardait quelqu'un que tu cherches. En elle, il y a un être qui respirait en elle. En elle, il y a un être qui mange. En elle, tu as pensé à ça? Non, tu n'as pas pensé à ça. Et quand je te vois tes yeux frustrés, la parole de la femme, bien. Oh, dis-le que quand ma mère avait leur âge, elle s'occupait de son mari, hein. Elle n'était pas là pour appeler au téléphone. Lolo avait fait que sorte de vos téléphones, elle avait me rencontré en face, elle avait craché sur vous. Bande de vieilles, je ne peux pas dire la vérité. Lolo avait fait que, hé, hey, ma chérie,
Une femme bombo, il est très. Tu as fait combien d'années avant de mettre le rideau dans ta maison? On t'a appris à te laver. Oui. On t'a appris à te laver. Les injures de fleurs, ils font remplir, tu te laves. Hein? Tu m'as même parlé à la fille d'un commissaire prison. Une fille qu'on a fait le portier dans son top partout dans les bars à Yaoundé. Toi et moi, on s'est rencontrés dans les bars à Yaoundé. J'ai fait, tu m'as vu jouer à Alpha. Mon frère Pépé Kouenda, je donne son nom. Pépé Kouenda qui t'aime binda à cheval. Dans les toilettes des bars d'Ancine Alpha Yaoundé. Toi et moi, on a fait les milieux comme ça. Donc, j'ai parté à Mathieu les jeunes. Tu sais où j'ai parté à Mathieu les jeunes? J'ai parté à Alpha. J'ai parté à la piscine à Douala. Dans les milieux. Tu m'as vu jouer dans tes milieux perdus à Yaoundé. Mais tu m'as bien regardé. Toi, tu as les cicatrices de la, du Mbangando. Tu as fait l'accident en 1973. Tu es né en 73, Mbombo. Tu veux détruire Amé Kamé, pourquoi? C'est quoi tu es venu détruire Abbé Samé? C'est la même chose que tu as fait sur Abbé Samé. Mon oncle, ma tante, il te connaît où? L'Abbé Samé te connaît où? Toujours avec de recruter les frères du village pour venir combattre d'autres enfants du Cameroun. C'est bien. 2 plus 3 égale 23. Tu sais, Ali? Tu sais déjà, Ali? L'armée nucléaire sera utilisée si nécessaire. Tu sais, Li. Avant de venir parler à Philippe bien. Tu sais, Li. Elle s'exprime très bien en français. Ngodjoum. Elle se dit quoi en français? Ngodjoum. Elle conduit, tu ne conduis pas. Tu vas aller un jour cogner quelqu'un. On va dire que la fille a tué. Tu as le permis français. Mets le permis français sur la table, je vois. Avec le permis acheté. Mets le permis français, je vois. Je te tape le code. Maman, voilà mon code. Je suis pénal, voilà mon code. Je suis inscrit à l'auto-école. Je vais te montrer comment on conduit avec le permis français en France. Regardez-moi celle-là. Va là-bas, va pleurer ailleurs. Vous venez pleurer sur mon mien, là-bas. Tu dis qu'elle suffit que quoi? Le goût de ça. Les plaies de ça. Employé à FDL. Je demande ma. Employé à FDL, toi, c'est un rôle au moins. Hé, vraiment, hein. Pitiation. Donc, t'as pas le signal avec Facebook de 3-0. Tous les mois, te paye 3-0. Viens lire, la guerre économique contre nous a échoué. Mais viens lire ici, là. C'est Poutine qui parle. Viens lire. C'est écrit là que demain, il y aura inondation à Rouen. Ça va commencer par ta maison. Pointe à ton matelas, tu sortis, c'est pas lire. Viens lire. À ce soir, c'est tout, mais Lolo Fondia, Lala Fondia, elle avait dit que, nous sommes clous, tu as compris? Nous sommes clous, viens lire à sa place. Ma fille, lire à sa place. Avec les derrière, j'exprime bien en français. Pour parler une langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Bon, il est très, pour parler une langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu spreches yiddish? Je parle en allemand. Je n'ai jamais fait allemand dans ma vie, mais je parle quelques mots en allemand. Ich komme in Cameroun. Ah, tu as compris? Je parle allemand parce que j'ai vécu en Suisse allemandique. Tu vas voir une femme bêtise là-bas, elle n'est jamais à l'école, mais elle te parle le Suisse allemandique comme si elle était à l'école. Elle parle le dialecte allemand. Pour parler une langue, on ne parle pas à l'école. Pour s'exprimer une langue, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu captes facilement. Mais pour écrire et lire, maman, il était. Viens lire. La guerre économique contre la a échoué. Viens lire. Comme ici, comme y'a. Bite, comme. Lis. La guerre économique contre nous a échoué. Tu vas aller lire ça. Hein? Quelqu'un met les lunettes aux ses yeux pour décorer. Bon, encore une fois, Raja, mais rien, ça doit être insulté. Je l'ai déjà bloqué. Maman, quelqu'un qui remarque les photos sur les profils. Vous riez quoi? On rit quoi? Raja, Mélanie, t'insulte. Bloque Raja, Mélanie. Elle va lire pour moi. Ça se trouve, elle est souvent pas, mec, à main. Hein? Papa, donne-moi le cahier. Le sorcier. Tu ne peux pas détruire la vie de tes frères bassins comme ça là. Hein? Tu ne peux pas. Même si j'avais Jean-Louis Messin avec Fleur de Lys, c'est toi. C'est toi. Parce qu'il est venu au début, tu as récupéré que c'était ton grand frère. Grand frère de quoi? Olenia hier, mamie. Mon grand frère, hein? Grand frère que mamie. Nous marions un truc par un gâteau qui. Mais nous marions un gars bassin. Donc tous les gars bassins sont des frères. Ouloulou, je ne sais pas que les bassins sont parentés. Hé, hey, dans les bassins binantes, dans les bassins sont épargnés, tous les bassins sont parentés. Ah, y a un grand frère café, grand frère, y a. Tout le monde a vu comment ça a commencé ici, là.
Je ne suis pas moi l'avocat du diable. Moi, je ne suis pas celle d'affaire vous. Je framponne tout le monde. J'ai à framponner tout le monde là sur la toile. Mais quand il faut s'asseoir pour dire la vérité, il faut dire la vérité. Ya, n'yon les femmes, aïe, un grand frère. Où l'aide, mais ça va, ya. Donc, depuis qu'il était en Syrie, je ne sais pas que tu es ton grand frère, si on l'appelait monsieur, mais ça. Ya, tu ne connais pas. Où l'aide, toi, tu as de recruter les bassins sur la toile pour diviser. C'est toi, Momo, il est toi la tribaliste. Toujours en train de récupérer les bassins sur les réseaux sociaux pour diviser les Camerounais. Oh mon frère, si c'est un bassin. Il dit à ma tante, dit comme ton frère, c'est un. Moi j'appelle les comment mon frère, alors que de comment Mougou est bêti. J'appelle Emilien Ndale que ma soeur. Emilien Ndale est Douala. J'appelle Étoile Cribienne, ma petite soeur, que ma petite soeur, alors qu'elle est Cribienne. Tata Lolo, c'est la rassembleuse. Je ne divise pas les Camerounais pour régner. Je renie. Pas besoin de diviser. Toi, tu as l'esprit de division. Tu nous as réveillé aussi qui était là, le noir qu'on appelait Marmac, qui déterrait nos grands-pères. Elle a ouvert sa bouche pour parler de Madame Biaïezou. Madame Biaïezou a frappé, bang, on a retrouvé. Elle est tombée, la caméra voit pour la monter son visage. On parle de l'homme, la femme là. Tu as vu ma mère? 1m93. Ouais, non. 1m93. La beauté, pas le bébé. La taille, la complète, tout regarde la femme du commissaire priseur. Tu te places, tu amènes une fille dans le noir, elle veut bonne avec ma mère. Et tu mets les cœurs. Mon ami, on ne met pas les cœurs, on ne touche pas la femme d'un noble. Épouse, hein. Elle n'a pas donné 90 ans pour aller se marier avec un homme. Elle s'est mariée qu'elle avait 17 plus 18 ans. Franchement. Moi, il est très. Pourquoi tu veux diviser les Camerounais? Tu veux mettre ta mère dans les problèmes, c'est mon frère. Quel frère? Olenyaye. Frère du village. Ce n'est pas ton frère. Mais je parle aussi. Si le papa de Julien vient me taper, je vois. Le papa de Julien ne te connaît pas. Il connaissait Fleur de Lille avant toi. Je dis ce que je connais. Je ne mens pas. Il est arrivé sur la toile. Fleur, il faisait les directs sur le direct, sur la page de Madame Messang. Elle dit, oh, je prie même que maman, comment tu peux donner ta page à une fille comme ça, elle fait le direct, tu sais. Tu vous avez oublié? Il ne t'appelait pas sa soeur à l'époque. Il était avec que Fleur de Lille. Du jour au lendemain, ça tourne au virage. C'est devenu que ma soeur. Vous ne vous connaissez pas. La famille a commencé les réseaux sociaux. Parce que c'est le frère du village. Tout ce qu'il vit là, c'est à cause de toi. Parce qu'il avait sa relation avec Fleur de Lille. Quand on a terminé, c'est qu'on a dit qu'on a commencé. Il a commencé quand sa femme était enceinte. C'est moi la fille Bamileke. Je me suis placé pour combattre mes deux soeurs, Bami. Pour combattre mes soeurs à la faveur de sa femme qui est une bassa. Tu étais où? Tu étais où? Mon frère. Frère café pour aller manger, boire gâteau. Pour les petits Wesseignons, c'est le frère. C'est moi, Lolo Fodja, qui était là. Et personne ne va douter, personne ne va nier ça. Je suis allé faire le combat avant Mot et sa femme. Je suis allé jusqu'à aller chercher un cam où c'est cam gardant le téléphone pour dire que viens raconter la vie de Jaguar Mot. Viens raconter sa vie. Pourquoi pas de Madame Messang? Tu l'as oublié. J'étais dans ce combat seul. Tu m'avais dit que non. Ne prends pas sa défense. Parce qu'il avait condamné le fait j'avais pris la mère de Doudou Ngamba. Il a dit qu'on ne peut pas parler d'une maman dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Tu t'es fâché. Tu as dit qu'on ne prend pas sa défense, il se démerde seul. Je n'étais pas écouté parce que j'ai fermé le cœur. Parce que moi j'ai un cœur qui parle. Je n'écoute pas les gens. J'écoute mon cœur. Mon cœur m'a dit non, ne fais pas ça. Soutiens ce couple. Et j'ai soutenu. Avec mon fils Lolo La Paix, nous avons soutenu ce couple-là. On n'a pas regardé leur ennemi. On a regardé que c'était des personnes comme nous qui avaient besoin du soutien. Nous sommes allés en guerre contre une armée d'abeilles. Contre une meute d'abeilles. Et j'étais combien? J'ai combattu. J'ai mouillé le maillot. Aujourd'hui, tu l'appelles Yasser. Que mon frère, tu le connaissais où? Tu le connaissais nulle part. J'aboie. Ici, là, c'est l'aboyement. Tu ne sais pas si tu as mal au tympan, prends ta route. Au revoir et merci. Ici, là, on aboie. Vous avez compris. Et vous n'envoyez pas les cœurs. Bobo, il est très haut. Agence de recrutement des frères du village. Tu as ton pas, mec, à mes pourquoi, mamie? Va libérer, mec, à m'envoie. Va libérer, mec, à m'envoie. Il va sortir à 18h. Parce que c'est l'heure que le procureur va récupérer son dossier.
Et comme le président ne peut pas l'avoir au gata, ça sera seulement que bon, on va arriver, on va revoir ça après, mais il aura passé toute une journée. Qui fait? Hein? Hein? Vous n'avez pas le numéro? Bon point, il est tiens! Et finis avec toi quand il veut. Tu es qui? Parce que quand tu parles de moi, je te simplifie. Tu es ma chroniqueuse. Tu étais la chroniqueuse. Je t'avais dit que hein? Tu étais une abeille refoulée. Une abeille refoulée à la base. Et maintenant, il y a eu la réunification des abeilles. Les abeilles refoulées ont repris, là, ils sont retournés à la canne. Les abeilles refoulées sont retournées à la ruche des abeilles. Donc maintenant, sur la toile, il y a que deux types. L'autre faut dire, et il y a passé les étoiles qui viennent, non pas les types, hein. Et toi qui viens là, c'est follower qu'elle appelle les, mes étoiles. Elle a, comment on l'appelle, comment Mourou. Il a ses followers qu'il appelle, comment il les appelle comment? Il les appelle les fidèles de l'église. Et Mila Linda ne sait pas comment elle appelle ses followers. Mais quand on dit que, il n'y a plus qu'une seule type, les abeilles se sont reconcilées. Ils ont, les abeilles refoulées, il y a eu réunification. Les abeilles refoulées ont rejoint la ruche des abeilles. Et maintenant, il y a une seule reine qui est fleur de l'île. Et nous, les Lolomaniens, nous sommes toujours là, regarde. Tu viens parler. Tu es notre chroniqueuse. Parce qu'à l'heure-ci, comme il y a les abeilles, la reine maintenant n'a plus le temps de bavarder tous les jours. Elle a mis ma chroniqueuse, un bonbon illettré, pour s'asseoir le matin. Lolo a fait que, elle a dit que, elle avait écrit que, le direct avait fait que. Ouais, pardon. Ne continuez à vous abonner, mes amis. Mes chéris, ici, là, c'est la Team TV. Team TV. Tata Lolo. La télévision web de l'heure. Ils ont volé mon concept. Mais dites-vous que je ne suis pas encore tombé. Je suis debout et je me relève avec les nouveaux invités. La page de la TV. Si vous avez une information, n'hésitez pas à me contacter. Dès qu'il y a une info, si vous voulez actualiser une information, entrez dans mon inbox 0033 766 29 22 01. Nous avons toute une équipe qui travaille avec nous. Et n'oubliez pas que j'ai les gélules amaigrissantes, les gélules de l'heure. Elle dit que j'ai plus du poids parce que je ne bois plus mes gélules. Les gélules qui font maigrir, tu pèses 5 à 10 kilos sans interdiction, même quelques interdictions là, oui. Donc c'est l'heure, voilà, il fait beau là dehors. C'est l'heure qu'on voit maintenant que, comme on a dit que nous avons les deux pieds gauches, nous allons mettre nos deux pieds gauches en valeur. Vous ne savez pas que les femmes fouillent. Vous ne savez pas que les hommes les plus beaux dans le monde sont les gars qui sont babongo. Les hommes les plus élégants dans ce monde, ce sont les gars qui ont les deux pieds gauches. Qu'un gars qui a les deux pieds gauches. Qu'un gars mabongo marche, maman, ça m'excite. Vous avez compris? Le gars qui est mabongo élégant. Un gars mabongo, je peux dire, ils ont deux pieds gauches. Les gars mabongo sont élégants, maman. Un gars mabongo, quand il marche, il met son pantalon, il met la veste. Maman, tu vous ne voyez pas avec le mari de Beyoncé? Jay-Z? Oh merde! Vous ne voyez pas le Snoop Dogg? Les gars sont ma bonne, mais les gars là. L'élégance, c'est de sa mouf. Alors, vos gars qui est là-bas, elle est ma bonne. Vous allez vous montrer nos ma bonne, nos deux pieds gauches en été si. Les beautés de ça. Avec les vrais cinq, pas les cinq périmés. Bon, il est très va changer tes cinq. Le caoutchouc là, Dieu, toi, tu te fais. Ça fait au moins plus de 15 ans que tu as mis le caoutchouc là. Change tes cinq. J'ai dit que de changer tes cinq. Je vais écrire. Change tes cinq. Qui t'a envoyé chez moi? Les gens que j'ai barré, ton vidéo, ils sont venus te payer que tu me clashes. Tu peux me clasher. Hein? Je ne suis pas encore sur toi. Je vais m'asseoir juste. Je te dis que bon, maintenant, viens t'asseoir. Je vais te montrer que je connais, je vais te clasher avec la violence. Ça sera sans scrupule. Je vais boler avec ton pétou. Et je vais mettre le téléphone enregistrement. On va écouter comment t'as un milliardaire lèche. Tu as l'ombit sur l'écran de WhatsApp. Tu viens avec une milliardaire. Regardez-moi les gens. Tu as ta milliardaire, elle te construit par la maison. Mais un petit gars qui marche avec la canne au camion, il construit l'immeuble de 50 millions. Mandoutou. Mandoutou. Vous avez voulu monter les Camerounais contre le président Amot. Vous avez voulu distraire les Camerounais. Le président Amot, il n'est pas avec sa fille Flore de Lille. Flore, il n'est pas avec Jaguar Amot. Le président Amot, il s'est prononcé. Les Camerounais n'ont pas aimé le fait qu'il a fait un premier direct. Non, c'est une histoire des femmes. Tu n'es pas le défaire de ce direct-là. Alors, il a mis la paix avec sa fille. Ils ont arrangé. On a vu la réconciliation au café. Jaguar et Flore. Vous allez continuer à faire verser votre haine contre lui. Alors, il a dit, alors là, ben, non, non. Il y a toujours un qu'on va prendre. Je vais donner la leçon à celui-là. Et les autres vont, ça va suivre après. Il t'a porté plainte.
Ahmed Kamel, ce n'est pas. Ahmed Kamel, il a des propos très tribales. Je pense qu'il a fait. Il ne sait pas bien. Et il est en train de prendre conscience aujourd'hui qu'il ne doit plus jamais refaire ça. Mais cet enfant, il est manipulable. Il a été manipulé par Bombo illettré. Qui est venu parler de son président de Gela, dit qu'il a dit qu'il a les numéros. Quand vous m'avez les numéros. Tu as quel numéro? Qu'il a les numéros, car que lui, mon président, il n'était pas là. J'ai appelé mon président, et dès qu'il a appelé, on a dit que non, comme il dépose l'argent pour laquelle il a dormi. Tu parles de qui? De quel Cameroun? Tu parles de quel Cameroun? Quand tu as dit, il a appelé à la gendarmerie. Mais vous mettez en doute la justice camerounaise. Vous mettez en doute nos cordes armées. Quand vous lui dites que le Cameroun, un Samson le fait mal, qui discute les Guinées, son quartier, il ouvre la Guinée, il prend le capuchon, voici, on est ici, il a gagné une autre bouteille de plus. Tu dis qu'il appelait la gendarmerie. Oh, il était libéré. Mais non. Il était libéré sous caution. Avec un garant, deux garants à la pluie, ils ont signé. Qu'il sera, il va honorer à son rendez-vous au tribunal le mercredi. Ce qui était fait. Et il arrive hier, il peut manger la nourriture, le John nourriture. Le bon vin, ils entraînent encore l'enfant, un enfant comme un mec qui n'est pas nocturne, il ne connaît pas il n'est pas noctambule, il ne connaît pas la nuit, il ne traîne pas la nuit dehors, il sort par nécessité quand il a pris le rendez-vous, il se retrouve dans les rues de Yaoundé, dans la nuit parce qu'il a espoir que cet homme va me pargner de la cellule demain. Il a espoir parce qu'il a bourré le mensonge, il a raconté les histoires de mi debout, il est rassuré qu'il va faire mon affaire. Mais aujourd'hui, il arrive en cellule, malgré tout ce mensonge, il se rend compte qu'il était béni par une bande de menteurs, des abrutis, comme on dit souvent. Cet enfant est maintenant en cellule, alors je vous prie, il n'a pas encore été libéré. Il est en cellule. Vous venez dire à quelqu'un qu'il a raison alors qu'il a tort? Vous venez dire à quelqu'un que toi, on voit une vidéo où il insulte quelqu'un avec l'image à la pluie, vous dites qu'il a tort? Il n'a pas tort. Il a sa plainte, il y a les preuves. C'est la même place que je me suis rabaissée devant Lady Ponce. Je suis devenue toute petite. Parce que j'avais ma vie à main, j'avais ma liberté. Où la prison, la liberté, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te baisses, tu baisses ton orgueil. Tu deviens tout petit devant la prison parce que la prison a une clé. Elle a une clé, elle a la clé de Kolingi à main. Ou elle peut me nuire, elle me dit que bon, tu restes en liberté, mais on bloque ton passeport jusqu'au jour où on va trancher l'affaire. Et on peut renvoyer l'affaire, même peut-être pendant même un an. Je cale au Cameroun comme les blagues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rabaisser. Qu'est-ce que tu as, mais quand même, c'est pas un gars qui est dans la. Au point, il ne peut pas causer avec un. Mais c'est parce que vous êtes venu l'embrouiller. C'est pas bien. C'est un debout, c'est un gars qui se bat. Il a son père, il a sa famille, il a ses poussins avec lui. Il a ses poussins avec lui. Il n'a pas investi au Cameroun pour perdre, il a investi pour gagner. Alors vous n'êtes pas venu mentir, le pauvre garçon. Eh bien, il est arrivé là-bas. Le président de Gela dit que j'arrive. Tu arrives où? Prends le téléphone, tu appelles, dis donc. Prends ton téléphone, tu appelles, merde. Tu appelles que mon petit, là, il va attendre. Il peut être là, quelle heure? Parce que là, on va aller manger quelque part. Je vais tourner à Yaoundé avec lui. On revient à l'heure de l'audience. T'as pas pu faire ça, monsieur? T'as pas pu le faire, toi? Et demain, tu vas me dire que tu as les numéros. T'as aucun numéro. T'as aucun numéro. Tu as dit que t'as les numéros, t'as aucun numéro. T'as pas pu le faire? T'as pas pu appeler ton numéro au Cameroun, là? Toi qui commandes la police, tu commandes la justice, appelle le président pour bien, c'est toi, parce que tu as épousé une femme boulou, alors que ça veut dire que tous les boulous ont là. Mais attends, mais il faut arrêter un peu de frais les Camerounais comme ça. Le Cameroun, ce n'est plus ça, man. Mais tu as pas pu le faire? T'as pas pu appeler ta connexion au Cameroun pour dire, bon, alors là, je suis, ben, bonjour, mon pote. Tu dis bonjour, Clément. Tu dis même plus monsieur, parce que c'est ton ami. Tu as mis avec tout le monde au Cameroun. Tu as pas dit bonjour Clément, je suis avec mon petit là, il a été convoqué au tribunal. Bon, comme c'est toi qui gère cette affaire, on peut revenir à quelle heure quand tu seras libre. Tu n'as pas pu le faire. Et on a ouvert les portes des cellules. On a mis cet enfant à l'intérieur. Là, à l'heure actuelle, il est enfermé. Il attend l'heure de passer devant le procureur. Et vous trouvez ça normal? Mais le procureur peut regarder l'affaire et dire que bon, voilà. Petite leçon, il va faire un tour d'abord à Kolingi. Mais on va pas faire ça. Président, moi, si tu es dans mon direct, ou si toi, Jaguar, tu es dans mon direct, que cette affaire s'arrête aujourd'hui comme ça. Amer, ça n'a pas arrivé. Moi, j'ai eu à faire des choses. Lady Paul m'a pardonné. Pardonne aussi à cet enfant. Si Lady Paul m'a pardonné, vous pouvez aussi pardonner. J'ai fait une erreur. Et cette erreur-là me sert de leçon aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, quand moi, je parle, je classe, je ne mets plus le nom des gens. Donc, ça n'a pas arrivé.
Il y avait peut-être comme bon, il y a aussi des émotions, il faut arrêter de dire que c'est à cause du problème de Flo qu'il insulte Amo. C'est faux. Avant Flo, il insultait déjà Amo. Hein. Avant Flo, il insultait déjà. Donc, il faut pas, tu vois, raconter. Avant le problème de Flo, aller regarder les directs d'Ameka, mais il insultait déjà. Moi, je regarde ses directs chaque fois. Je regarde. Il y a un moment, il avait fait une lecture là, dans son tableau, qu'il a dit que c'est un tableau, que quand on voit ton nom là-bas, machin. Moi, ça me dit, mais j'ai dit où tu faisais ça. Il insultait déjà à Mot. Alors maintenant, ce qu'il va faire quand il va rentrer, il va faire attention la prochaine fois. Donc, je suis en direct. Je suis en direct, chérie. La team, je suis en direct. Si tu as envie, écris-moi. Ah, d'accord, j'ai vu. Ce n'est pas le film, mais c'est le journal. D'accord, j'ai lu le message. C'est bon. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Ah bon? Amer, je t'ai dit, je te donnais un conseil l'autre jour. Je t'ai dit que le Cameroun, je suis fille, j'ai fait l'aventure. J'ai plus d'expérience que vous là. J'ai plus d'expérience que vous. Je connais. L'homme gabonais, c'est un homme qui est ouvert. Le gabonais peut vivre avec une femme, même si elle mange sans cachot là, oui, ça en fiche. Le gabonais s'en fout. Le gabonais vit à l'européenne. Le gabonais, voilà. Mais le guinéen ici, guinéen quoi, qui vit aussi un peu, ils sont ouverts. Le seul pays en Afrique, maintenant, en Afrique centrale, là, que les gens là ne s'amusent pas avec leur image, ils font attention à leur image, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est qu'on voit aujourd'hui dans les pays d'à côté comme le Gabon, la Guinée équatoriale, c'est normal, une fille peut se mettre en route et fume sa cigarette, une fille peut porter un caleçon, elle marche dans les rues, il n'y a pas de problème, mais au Cameroun, mais alors là, si tu te mets dans les rues de Yaoundé avec un petit caleçon comme ça, c'est tout le monde qui te regarde, hein. C'est comme si tu avais fait un crime, mais je sais pas quoi. Parce que le Camerounais fait attention à son image. Le Camerounais a encore calé dans la tête, quoi. Le Camerounais n'aime pas encore l'histoire les portes de l'Antiquité, là, que non, on va dire que, oh non, habille-toi comme ça, tu t'exposes les seins, oh les gens vont te regarder, oh tu cries dans Facebook, non, man, les Ivoiriens ils s'en fichent, quoi. Les Congolais ils n'en ont rien à foutre, mais au Cameroun, si tu veux faire, tu veux te faire une place dans la société camerounaise, en tant qu'un homme d'affaires, arrête les clashs, fais-toi une belle image, ne te fais pas, à chaque fois tu veux, non, dénonce, tu peux dénoncer, voilà, quand il y a quelque chose dans les réseaux sociaux, tu dénonces, tu restes dans l'objectif du problème. Mais quand tu vas sortir, aller atteindre sur la personne, t'atteindre à la personne de cette, de la personne de que tu parles, ça c'est pas bon. C'est pas bon. En tant qu'un homme d'affaires, ça va salir ton image. Il y aura des endroits que tu n'auras pas accès au Cameroun à cause de ça. La preuve en est, tu étais patriote, tu as crié sur la toile, tu as défendu le Cameroun, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais seulement, tu le faisais parfois dans le désordre. Il y avait les jours où tu venais, tu étais du côté de l'opposition, il y avait les jours où tu venais, tu parlais bien du gouvernement, il y avait les jours où tu venais, tu dis que ça va, tu ne vas pas gagner la fête à foot, après le lendemain, quand il était au gars, tu dis que c'est ton frère Bassa, il y a les jours où tu as fait un peu trop de contradictions dans ce que tu fais. Ce qui fait en sorte que on n'arrive pas à te cerner. On t'a vu, quand tu soutiens le président de la République, tu dois soutenir son gouvernement, tu dois soutenir les gens qui travaillent avec lui. Mais on t'a vu t'acharner sur monsieur Ketchanke, un ancien empereur ambassadeur au temps de monsieur le président Aïdjo. Tu as léché cet homme sur les réseaux sociaux pendant des mois et des mois. Mais comment tu crois que les autorités camerounaises peuvent te respecter avec la façon dont tu te comportes? C'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas cherché à te rencontrer peut-être au Cameroun. Parce que quand tu insultes Ketchanke, c'est quelqu'un qui représente après l'ambassadeur au Cameroun. C'est lui. Il y a l'ancienneté qui compte. Il y a l'ancienneté qui compte. Donc tu as fait beaucoup d'erreurs. Comme aujourd'hui, ce qui bloque un peu ta stamania, c'est que ça m'étonne qu'au Cameroun, tu n'as même pas un ministre qui peut intervenir à ton nom. Parce que même si on dit qu'il n'y a pas les numéros, il y a les numéros qui sont importants, que ça peut jouer sur ton affaire. Hein? Tu peux appeler au moins le ministre. Tu peux appeler au moins. Parce que si tu n'as pas un numéro, on te garde. C'est une honte pour les patriotes. C'est une honte pour toi-même. Toi qui te fais passer pour ce que nous, on ne croyait pas. C'est la raison pour laquelle il manque président Mot. Amer, je le dis du fond de mon cœur que cette procédure s'arrête. Amer, je me fais voir Amer faire la foulée avec moi dans les réseaux sociaux. Je me fais qu'Amer m'insulte 100 fois qu'il soit libre, mais pas enfermé. Parce que je ne supporte pas voir quelqu'un dans une prison. Président Mot, pardon.
On sait que tu ne peux rien faire à l'heure actuelle parce que c'est entre les mains de la justice. Mais quand vous serez confronté devant le procureur, comme tu n'es pas là, celui qui va te représenter, ton avocat, demande-leur que tu retires cette plainte-là. Quand tu retires cette plainte-là et que tu laisses que Dieu fasse son travail, c'est tout. Tu laisses ça entre les mains de Dieu. Fais le même. Fais le même. Mais arrêtez de faire son cachet. On me dit que Victoire Vaquez m'a insulté. Non, mais si elle m'a insulté, elle sera bloquée. Moi, c'est la télé. Elle a insulté qui? Non. Si elle ne m'insulte pas, ici, là, c'est la télévision. Je suis là pour rassembler les Camerounais. Je ne veux pas que les Camerounais viennent s'en prendre à ma personne. S'ils ne sont pas d'accord avec moi sur un sujet, ils peuvent le faire. Vous pouvez le dire en commentaire. Sans doute fois dire que Lolo Pipi, les machins, c'est ça. Non. Vous êtes libre. Mais si vous voulez vous en prendre à ma personne, c'est là où je vais bloquer. Si elle est là dans mon direct, ça veut dire qu'elle est intéressée parce qu'elle dit, c'est que malgré sa haine qu'elle a versée sur moi, elle a tourné les venues. C'est ce que nous on fait. C'est réunir ensemble les Africains et faire des choses bien. C'est tout. Nous sommes en famille. Donc si elle veut m'insulter, les Lolomayas vont, les Lolomayas qui ont son bas, vont s'occuper d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Les Lolomayas sont là. Hein? Donc, bon, Ahmed Kamel, il a 48 ans. Bon, c'est un grand garçon. Victoire Vaquez m'insulte partout. Flo Numba, elle n'a qu'à m'insulter. Mais elle est chez moi. Entre elle, ouais, qui a gagné l'autre? Moi, j'ai gagné, la bloque pas. Elle fait le commentaire, moi. Capture, c'est pas ses commentaires. Victoire, vous voyez comment vous voulez me faire ce que je dois rendre. Vous voyez, une dire, il y a plus de 1700 personnes. Mais Lolomania, je vous envoie un gata. Mais Lolomania, je veux vous bastonner aujourd'hui là. Mais vous ne respectez pas votre tata Lolo. Les Lolomania, vous avez une chaîne TV, une télévision TV web. Vous me manquez le respect en direct. Vous faites ce que je vais faire en gérant la fille star dans mon direct. Mais de mon Dieu, je suis malade. Je suis malade. Non, je vais envoyer le magnon gata. Je vous envoie tout ton gata. Comment vous me faites ça? Voilà Gérardin qui fait dans... Il a le même Congo ça depuis... Non, Gérardin connaît fait le Congo ça. Non, Gérardin, tu es fort. Non, mais le magnon. Non, Véronique, je ne suis pas contente. Non, 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 non. Maïpol, je suis pas content. Non, 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 non. Vous pouvez pas manquer le respect à votre télévision. La télévision, est-ce que tu peux m'interdire de regarder TF1? Est-ce que vous pouvez m'interdire de regarder TF1 ou de regarder Canal 2? On interdit pas que quand on regarde la télé. C'est la télévision. Ce n'est pas grave. Elle peut venir faire des commentaires. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'elle m'a insulté? Elle donne son avis. C'est tout. Elle donne son avis. Même si elle par rapport, elle va me dire, là, c'est son problème. Moi, elle m'en fout. Eh, ma petite servie, tant que le mannequin est bangoula. Donc, Ahmed Kamel, ce n'est pas un garçon. Ahmed Kamel a fait des choses. J'ai dit que, j'avais dit à Florie que, il fallait prendre Ahmed Kamel. Tu écrases le piment, tu mets dans le seau, tu verses sur lui. À Bonabéry. Donc, Mbombo, il est très fait la campagne des frères du village des réseaux sociaux pour venir combattre ceux qui ne sont pas mis avec elle. Mbombo, il est très qui a sémé l'ON qui a te flore de l'île du président et monsieur Messa, c'est un bonbon illettré. C'est un bonbon illettré qui est venu créer la haine entre l'abbé Samé et Lolo Fodja. L'abbé Samé, c'était mon enfant. J'ai payé l'ordinateur à l'abbé Samé. 360 euros à l'abbé Samé. Bipé l'abbé Samé ici. L'abbé Samé, moi, la fille du commissaire, quand tu dis qu'elle a écarté, elle a pissé, j'ai pissé dans des fesses. J'ai pissé sur moi, ça te fait mal où? Hein? J'ai pissé sur moi, tu as mal à ma place. Tu as mal à la place de Papa Fodja. Papa Fodja qui me bille depuis 12 ans. Tu as mal à la place de Papa Fodja qui les écarte et puis tu as mal à sa place. Question. Toi, la belle sa mère, quand ta maman est morte ici, là, moi, Lolo Fodja, t'es pas aidé. Je n'ai pas enlevé mon âme quand tu me dis aujourd'hui la pisseuse, tu m'appelles Bobo quoi aussi. Ya! Yeah. Dieu te voit. J'ai enlevé mon âme, t'es pas soutenu. Tu m'as appelé maman, ne ris pas bête. Maman, j'ai eu l'ordinateur. J'ai fait tout. J'ai envoyé 360 euros par Sylvie Ténière. J'étais déjà dit un jour, je te connais où. J'étais acheté. J'étais dit un jour, comment j'étais une blogueuse. J'étais dit comment j'étais des personnes jamais. Parce que j'ai venu avec moi, tu m'as appelé ma tata. Et comme on sait qu'on se fait flatter, j'ai fait le travail. Tu vas t'asseoir. Parce que. Un bonbon illettré, t'as pas que mon petit frère, t'as vu le parenté où? Allez-nous ailleurs. Où l'aigne ailleurs. Jusqu'à monter la baisse à bébé, il m'a insulté. Depuis qu'il m'a insulté, là, ça a changé quoi sur moi? Je suis toujours le blogueuse. Maman, la Champions League, Lolo Fodja.
Lolo Foggia. Maman la Champions League. Je suis dans la Champions League. C'est qu'est-ce que c'est ça? On voit mon visage. J'étais à 1800 personnes. Assise dans mon salon en position écartement. J'ai écarté, comme je parlais là. Je suis en position écartement. Tu es où? Franchement, vous n'avez pas compris depuis que, même si vous insultez les gens, si les gens m'aiment, ça ne va rien changer. Quand tu aimes une personne, on va bondir de cette personne-là. Tu seras toujours la personne-là parce qu'on ne peut pas expliquer les sentiments que tu éprouves avec quelqu'un. Il y a le Lolobaya qui sera parti. Demain, il y avait ma fille Louisani. Elle est partie, elle est revenue seule. Je m'avais chez ma tata. Elle avait des perreux. La parenthèse du zoo, elle a tourné. Elle est revenue seule parce qu'elle est déjà habituée à moi. Le général Lolobaya, le Lolo Gloria, elle se fait chez Réjeune parce que c'est la maison. Elles sont chez elles. Elles sont chez elles avec leur maman. Elles sont habituées avec mes habitudes que quand ça ne va pas, elles finissent avec nous, Réjeune. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu envoies ton petit frère venir porter toutes les malédictions du monde. Elle avait sa mère. Tu as quel âge? Tu prends le poitou d'une femme. Tu mets pourquoi? Pour la. Parce que les yeux de femmes, qu'elle partait attaquer. Elle ne sait pas qu'on veut la répondre. Tu connais ce qui te réserve demain? Tu es dans un pays d'Inkassa. Tu connais ce que tu peux sortir la croix du poitou d'Aline. Là, tu prends tous les marchands du monde. Quand tu aimes ton frère, respecte ton frère. Je ne vais jamais conseiller de mes enfants de porter la fille une fois mettre sur la toile. Jamais. Elle est partie à la télé, elle a dit, mais ça, mon frère. Je me rappelle quoi, Florian, il a dit que le papa des jumelles est tribaliste. Il y avait une affaire qui s'était passée. Il était en direct. Il a dit que Bobo, il est très, c'est sa sœur. S'il faut choisir entre deux personnes, il va choisir Bobo, il était pas, Bobo, il était, c'est sa sœur. Et je lui dis, c'est son ami. C'est ça qui avait énervé. J'avais suivi ce direct. Et moi-même, j'étais choqué. Qu'on ne dit pas des choses comme ça. Mais cette fille-là n'a jamais soutenu son grand frère quand il a les problèmes. Jamais. Son grand frère meurt comme ça à cause d'elle. Tu es en train de recruter. Dès que la mère, ça m'a dit, oh, c'est mon frère. Ton frère où? Où l'aigne ailleurs? Parce qu'on parle d'Indila, Manian, Wemba, Wembo, Wenkaleki, Lolo, Lolo, c'est la famille. Hein? Maintenant, tu vas récupérer maintenant encore Amer Kamer. Parce qu'Amer Kamer dit que c'est ma soeur du village. C'est mon frère du village, Amer Kamer. Tu es parti te laver chez le marabout de chez Amer Kamer avec l'handicapé là. Qui est au Cameroun, que la milliardaire a donné 50 millions. Tu as dit ça au Camerounais. Tu as amené l'handicapé. Le petit gars qui est handicapé au Cameroun là. Que allons se laver chez Amer, le bonbon d'Amer Kamer. Quand tu vas te laver, la milliardaire va te donner l'argent. On vous a lavé. La milliardaire se va donner pour le petit là. Pas donné ta part. Tu as envoyé 4 bandits d'aller fier le petit là. Il va témoigner sur un cœur ouvert. La fête du milliardaire va sortir. Les gens sauront la vérité. Il va témoigner. Tu viens pas à la fille. Tu marches avec le milliardaire. Tu es encore dans le. Pour aller au Cameroun, pour aller à un day. Il faut raccourir les billets d'avion par-ci par-là. Donc, Amer Kamer est en cellule parce que il était trompé. Il était trompé par le président de Bobo Illettré. Si Amer Kamer suivait son cœur, je connais pas trop bien ce garçon, mais je vois quand même que quelque part, il est intelligent, souvent. Je pense que lui, s'il y avait une personne qui avait vu Amer Kamer derrière, que non, et que ces gens n'étaient pas autour de lui, hein, que non. Ah, on va te mettre en conférence, tu vas arranger avec le président en mode. Il devait le faire. Je connais, j'ai un peu étudié Amer Kamer là. Il aime bien bavarder, mais il n'aime pas les ennemis. Il n'aime pas être ennemi avec quelqu'un. Il n'aime pas les ennemis là. Il n'aime pas ça. Il t'insulte. Du jour au lendemain, forcément, il peut venir te dire bonjour, il oublie qu'il t'a insulté hier. C'est il un peu comme ça. S'il y avait une personne qui pouvait jouer ce rôle là. Que bon, mais comme il s'est entouré de personnes, il a dit que, oh oui, mon président a fait que, il a eu confiance en eux, sachant pas que l'humiliation va continuer. L'humiliation continue. C'est ton image, c'est ta personnalité qu'on est en train de salir. Tu vois comment je peux encore sortir un jour à Paris, n'importe comment. J'ai fait le bras de fer avec les gars là, les gars de la base, je suis parti la première fois. La sécurité m'a porté, m'a amené dehors. Il y a un qui a profité à me pousser. Je suis encore là en Allemagne. La deuxième fois, ils m'ont versé la farine. Une fille parmi elles m'a enfariné. Tu crois que je peux encore permettre à ces gens-là de me salir comme ça? Non. Tu crois que je peux encore m'amuser quand je sors?
Je vais encore donner parce qu'il veut salir mon image. Ça me salit. C'est des images qui ne sont pas beaux à voir. Tu crois que je vais encore permettre à ces gens-là de me faire la même chose? Non. Quand il va maintenant sortir, je vais me préparer avant de sortir. S'il va décider qu'il va aller dans une soirée, je vais me préparer avant d'aller à cette soirée-là. Parce que je ne veux pas qu'il vienne se frôler encore à moi. Ou au cas contraire, je n'y vais pas. Je reste sur moi. Je reste sur moi, je dors. Je reste sur moi, je dors. Je ne veux plus quand où j'arrange avec eux, où j'ai deux solutions, où j'arrange avec eux, où je reste dans mon truc. Je dis, je n'arrange rien avec eux, je reste sur moi. Et j'ai décidé que je n'arrange rien avec eux. Alors je vais rester chez moi. Lui, j'ai envie de sortir. Je me prépare, je m'arrange, avoir ma sécurité. C'est comme ça. Alors, ce qui t'a fait, on peut dire que peut-être la première fois, on peut accorder ce petit mensonge qui sont venus, ils ont tissé là, ils ont raconté qu'on a appelé au téléphone, le commandant a dit, voilà, machin. Mais j'ai dit, regardez-moi ce tintin là, qui on va être, vous êtes fous, quoi. Ce mec, il a dormi en cellule. Ici, il avait des relations, au Cameroun, il avait les relations de soeur de la cellule de la nuit, hein. Au Cameroun, on avait les relations de soeur de la cellule en nuit. Mais s'il a dormi, ça y est qu'il n'y a pas de ni mort. Alors, mais s'il a fait première fois, il a fait la première fois. La deuxième fois, arrangez-vous que ça n'arrive plus. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et il est encore en cellule à l'heure actuelle que vous parle. Hein. Il est là gardé. Et parfois, le procureur finit à 23h. Le procureur finit souvent à 1h du matin. Le procureur finit souvent à 23h. Donc il va rester en cellule jusqu'à peut-être 19h, 20h. Alors que vous avez dit dans Facebook que le président de Bobo, il lettra les numéros. Bête à la merde. Le président de Bobo, il lettra. Laisse les enfants de truite tranquille. Tu as plus 3 millions de fleurs de lit, tu n'as pas remboursé. Lâche-nous les baskets, man. Hey, tu veux être blogueur? Crée-toi une page. Tu veux être blogueur? Crée-toi une page. Bonsoir, Nadège Mbappa. Crée-toi une page Facebook, man. Arrête de nuire les enfants en diaspora. Arrête de couiller les têtes des blogueuses. Crée-toi une page. Quand viens nous raconter tes histoires de Guinness que tu malaxes là-bas et de les artistes que tu veux devenir promoteur ou je ne sais pas quoi, la Sokatam ou je ne sais pas où là. Tu ne colles la paix, man. Il faut arrêter de cogner la tête entre les Camerounaises. Alors, vous pouvez, alors, une fois de plus, on te voit réapparaître. C'est le moment où il était, te ramène encore, tu ne sais pas où tu sors. Pour nous dire que voilà, mon président, il a fait ceci, il a fait cela. Mais vous savez, mon président n'est pas n'importe qui. Eh bien, quand je regarde cette personne, même pas une vraie chaussure. Les chaussures, depuis 10 ans là qu'on avait eu les dos, on a acheté les anciennes, montre les anciennes, les vieilles lunettes, les mêmes lunettes de 1900. On dirait les lunettes du feu Mongo. Tu sais comment? Eh, machin, mon président, et voilà, mais tu vois, mon président, mais il sera là. Mais dis donc, mais nous sommes là, il est 16h là. Bientôt, il est 17h au Cameroun, hein. Mais il y a même Camille encore, quelque part dans une série, là, Yaoundé. Imaginez un peu les pipis, l'odeur des pipis, là. Un gars qui est habitué à être bien vêtu, bien propre, bien sapé. Il est assis, il est couché là-bas, il est en train de réfléchir que ça fait comment dans Facebook. Ahmed Kamel dans Facebook à l'heure actuelle, Lolo Fondia est en direct. Je t'attends Lolo TV. Parce que c'est que tu es en train de penser en ce moment-là. C'est momenté. Hein, Aurora mismo, comme on dit en espagnol. Tu as compris? Aurora, tu es en train de penser que qu'est-ce qui se dit? Est-ce que le président, est-ce qu'on est informé aux gens là que je suis en cellule? Est-ce que, il y a beaucoup de essais, est-ce que, je te donne la réponse en télépathie. Que, à l'heure actuelle où je te parle, Lolo Fondia assise dans son salon, dans la ville de Rennes, la capitale du champagne, où il y a le meilleur champagne, à l'heure si Lolo Fondia boit le champagne Caliste, que la capitale du champagne à Rennes, t'entends le moment de la Champions League, Maman, la TV Web, abonnez-vous sur la page pendant que vous y êtes. Abonnez-vous sur la page, cliquez abonner. Et abonnez-vous, il y a l'abonnement de 2,50€ tous les mois. Abonnez-vous sur la page et vous envoyez les cœurs. Abonnez-vous et allez leur dire que la télévision du Congo, ça, la TV Web, ça va se parler, ça va se dire. Les stars vont passer, les Congolais vont passer. Les règlements de compte, même si j'écoutais que Tata Loa dit que j'ai là, dit que ce n'est pas grave, elle s'est libre. Vous avez compris? Mouembo, on dit comment Ambassade, tu as compris? Vous avez compris? Bisous Guy, Ambaranté.
J'ai dit, hein, si vous voulez, même si que, vraiment votre animatrice TV Web là, elle dit souvent que j'ai là, dit que oui, ce n'est pas grave, mais SLI. SLI, hommage à Francis Luchini qui est décédé. Emmanuel Macron est venu rendre hommage avec Brigitte Macron. La force des vieilles femmes. Vous avez souvent dit que elle est vieille, elle a les rides, elle est montée, à cousse, à jus, à grunge, oh lolo, écarteuse, oh maman. Tata n'a pas, envoie-moi 100 euros, je suis foiré, pardon. Tata n'a, envoie-moi 100 euros, en vrai, je ne blague pas, vrai, je suis foiré, envoie-moi 100 euros. À l'aise, je suis foiré. Comment? Tata n'a, envoie-moi même 100 euros, 200 euros, je suis à terre, à terre, à terre, qu'à terre. Tata n'a, ne me dépose pas au carrefour. Vous allez leur dire que, vous allez leur dire que, à l'aise si je parle à mes camés. Vous allez dire que, tata Lolo, la télévision du Congo, ça, nous allons parler de Muriel Blanche, avec Touba. Comment depuis tu dis que tu n'aimes pas un gars? Oh, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma, où est son gars? Mais, attends, les filles, vous voulez nous montrer que vous êtes des stars américaines, que vous sortez les gars en cachette. Tu dis tous les jours que c'est Touba, tu dis que ce n'est pas ta femme. N'a vous pas, il faut assumer. Quand un petit gars va venir binder la gala correctement bien, elle va te barrer, on va voir les pleurs du mollet, les postes, les machins, les proverbes, les sessions. On ne veut pas voir ça sur ta page. Nous allons parler de l'amour, de tout mal à faire. Nous allons parler de Fingon et de Flore. Est-ce qu'on va laisser? C'est le Congo, c'est la télévision Congo, ça. L'autre, et si on vous dit que Tata Loli, que, oh, j'ai là dit que, elle s'exprime pas, mais elle dit que, SLI écrit, TF1, BFM TV, Hôtel des Invalides de Paris, image en direct. Je vois Brigitte Macron et Monsieur Macron. Voilà, c'est Muriel, comment on appelle encore là? Muriel Robin qui est en train. L'hommage de Muriel Robin. Je sais, lui, je sais qui. C'est ça qui est important. Hein? Voilà. Ah, vous allez dire que, Tata Lolo, elle est vieille. Elle est écartée, ma écarteuse. Elle a les rides. Oh, machin. Une bonbon. Voilà la bonbon à l'Elysée. Brigitte Macron, son mari va quitter le pouvoir de 82 ans. Elle commande les jeunes filles, maman, l'écartement de ça. L'écartement en or. L'écartement des vieilles mères, maman, ça a le goût. Elle a poussé Emmanuel Macron, son petit-fils, son arrière-petit-fils, président de la France, double président de la France. Et Sarkozy a échoué. Hollande a échoué. Macron est passé. Il reste à l'histoire qu'il a gagné. Il a fait 10 ans chef d'État de France. Vous parlez de quoi? C'est la puissance de cette vieille maman qui est à côté là. Il faut aller chercher les bambambés qui ont venu vous publier sur Facebook. Quand on a dit que le mariage est fier, à venir pleurer sur la tête. Non, ne pleure pas. On pleure en solo. On pleure en solo. On fume nos cigarettes. On journe bien, on dort. On ne veut pas qu'il y ait que mon gars m'a barré. Mon gars. Parce que nous, on a la force des coyotes. La force des bonbons. Voilà les bonbons. Et ne m'appelez plus vieille femme. Nous, les bonbons, nous avons le pouvoir en France. Ce sont les bonbons qui ont le pouvoir en France. Bonbons, il était, bonbons, quoi aussi. Nous avons le pouvoir en France. C'est nous qui avons le pouvoir. Voilà notre représentante à l'Elysée, Brigitte Macron. Vous parlez de quoi? Bitu Baku? Bitu Baku? Hein? Bitu Baku? Bonbon, il est très. Donc, à l'heure, tu vas passer le message à mec, à mère, en télépathie. Parce que je suis que tu me vois, tu as dit que Lolo, il est là en direct. Tu me vois. Parce que là, si tu as dit que maman, on dit quoi sur Facebook? On dit sur Facebook, hein, à mec, à mère. Quand le président de Bonbon, il est très abandonné dans la cellule, il est parti. Quand l'argent que tu as payé, les Guinness, ça y est dans les bars, Yaoundé. Il t'a fait. Il a dormi à l'hôtel auberge. Il a dormi à l'auberge de 1000 francs. À Yaoundé, il cherche maintenant le numéro derrière. Il n'a pas le numéro. On a dit Kamé, nous souvent, nous avons lancé un direct pour parler au président Amoto, président Amoto de la diaspora qui retire sa plainte, tu es son frère. Amé Kamé, je suis à l'heure actuelle en direct à Tata Lolo TV. À chez moi à Reims. Tu as compris? Petit frère, grand frère, ben tu es mon grand frère. Soutien, beaucoup de soutien, beaucoup de courage. L'homme passe par cette étape pour grandir. Et j'espère que tu vas sortir de là grand. Tu es un grand garçon, mais avec dans le corps, avec la tête d'un enfant. Il faut grandir avec ta tête et ton corps. Parce qu'il ne faut plus faire des choses comme ça. Moi, quand je clash en code. Parce que c'est qu'il y a des gens qui me guettent. Il y a des gens là qui méditent. Qui font le complot contre mon nom, mais je ne le vois pas. Vous allez me chercher, même dans la société, vous n'allez pas me voir. Vous avez me chercher jusqu'à ce que, quand il parle, on pense à mec, quand à mec, il se manque, je vous avertis, et à mec, Nyando, à mec, ouais, à mec, il retire quoi, il dit, ouais, non, finis ce soro, non, ne fais pas ça. C'est comment, non, Gérardelle?
J'ai regardé un peu lire ton commentaire. Gringa dit dans un voyage, il y a une bosque. Qu'elle tu elle était fort à dire qu'elle est en train de préparer un plan. Bête, bête, Yvette. Non, je n'ai pas encore classé. Momo, il est très pas. Je vais m'asseoir sur elle. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, je vais m'asseoir sur elle. Le moment qu'elle va pas s'attendre, là, je joue. Amen, amen, Nyandom. Nyandom, tu seras libéré. Nyandom, je t'attends. Tu dis qu'elle est porc, elle est porc. Nyandom a dit qu'il pète sur la bille de Ndop. Il veut péter sur la bille de Ndop. Parlons libéré de Nyandom. Donc, c'est la fille-là qui recrute les frères du village pour leur embadouiller avec le mot Bassa. Mes frères camerounais, le tribalisme, c'est un nain. C'est un truc qui détruit un peuple, ça détruit les familles. Aujourd'hui, le monde a évolué. Ensemble, nous, les Camerounais et Africains, nous allons faire les bonnes choses. La preuve en est, je suis la fille, je suis la grande sœur adoptive d'une Malienne qui m'a sorti des problèmes, qui m'a enlevé la honte, qu'on a voulu mettre la honte au Cameroun. Chers Africains, restons unis. Si l'Europe a évolué, c'est parce que les Européens ont compris qu'ensemble, ils peuvent faire les choses bien. Aujourd'hui, ils sont autour d'une toute une table pour combattre un seul homme qu'on appelle Poutine. L'Afrique sera meilleure si nous sommes ensemble. Arrêtez de diviser, de regarder l'autre parce que c'est mon frère du village ou c'est ma soeur du village, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même dans vos familles, ne faites pas ça parce que le Cameroun c'est un pays multiculturel. Nous devons vivre ensemble. Nous devons prôner la paix, l'amour et non la division. Le président de Bobo, il est très, c'est un homme qui divise. Il est venu, il a fait la même chose à Fleur de Lille. Il a fait la même chose à Virilidia. Qu'elle s'est vue à 8 mois et demi de grossesse, sa nudité publiée dans les réseaux sociaux parce qu'on voulait faire plaisir à cet homme. Aujourd'hui, notre petit frère Amer Kamer, notre frère Amer Kamer, autant pour moi, une affaire qu'on pouvait arranger à l'amiable, trouver un arrangement entre les deux frères. Il a fait une apparition mensongère. Il a menti l'enfant. Il a fait comprendre à l'enfant qu'il avait les numéros. Et il a dit à l'enfant dans un direct hier que tu ne te présentes même pas au parquet. Tu n'as rien à faire là-bas. Il veut nous prouver que il est une personnalité au Cameroun alors qu'il est nada. Il est un citoyen camerounais comme tous les autres. Il n'occupe aucune fonction. Il n'occupe aucun poste, ni ministre, ni ne serait-ce même planton dans un ministère. Rien. Mais il est bien avec sa bonbon illettré, comme elle est ben doum. Elle veut venir manipuler comme ça qu'ils ont fait peur. Ils ont escroqué là de feuille 3 millions de francs. De caution, ça n'a jamais été remboursé. 5 millions de francs pour insulter le public, je n'ai jamais entendu ça. 5 millions de francs. Alors là, il faut que ça s'arrête. Amer Kamer, je ne te déteste pas et je ne te détesterai jamais. Tu me fais rire, je te jure. Quand il regarde tes directs, je ris. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas regarder ses directs. Toi, tes directs, je regarde. Je te préfère libre dans ton poulailler avec tes poussins, nous faire les directs et nous faire rire que enfermé. C'est la raison pour laquelle je te dis, mon frère, je ne te mens pas. Arrange avec amour. Vous ne pouvez pas être des bons amis, mais chacun prend sa route. Que ça arrête cette plainte. Et j'ai dit au président Amout, si tu regardes l'exemple de ta soeur Lady Pons, si elle m'a pardonné un jour et qu'elle avait la clé de Koningep pour m'envoyer en prison et que les gens se sont réunis autour d'elle, les gens ont parlé. J'ai plus envie de prononcer les gens, mais je te dis que les gens ont parlé. Je connais quelqu'un qui a passé toute une nuit à l'écrire. Si elle a écouté et que nous, follower, nous sommes aujourd'hui en train de te parler. Il y a d'autres qui sont en train d'écrire en commentaire. Mon frère, si tu arrives devant le procureur et que le procureur dit que la prochaine date du tribunal était tel jour, ça ne sert à rien. Dis juste que tu abandonnes les poursuites et que c'était juste un rappel à l'ordre à cet enfant pour dire à cet enfant qu'on n'insulte pas les gens comme ça, pour qu'il soit un peu conscient. Mais sinon, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes tous des frères. Nous sommes partis du Cameroun pour venir se battre ici. Moi, j'ai eu à porter plainte à une personne, mais j'ai porté plainte pour mon affaire. Là. Ça va prendre. Là, c'est autre chose parce qu'il y a une violence. Donc, continuez à commander et je vous dis que ne dites pas que c'est tel que ça fait d'argent. Non. La femme de Fingouin, il y a son point, mais s'il n'a pas dit qu'elle allait insulter mon mari. Tu peux insulter ton mari, c'est ton point là-bas. Si tu peux insulter ton mari, c'est ton point. Elle n'a pas dit qu'elle allait insulter mon mari. Alors si on a dit, vous insultez les maris des gens, ça fait bac. Si il va aller porter, c'est vous qui aurez les problèmes. C'est la même chose qu'il avait avec Florine, il avait son problème. Elle n'a pas dit qu'elle allait insulter mon président. Elle peut insulter son président, ça a l'air. Ils ont leur affinité. Mais quand tu peux insulter, ça veut dire que ça te regarde.
Donc, c'est pour vous dire que quand vous traitez des sujets, ne soyez pas, ne vous perdez pas dans les sujets que vous traitez. Elle a osé me dire que je me suis trompée sur le sujet d'Aïcha Kamoise. Non, je ne me suis pas trompée sur le sujet d'Aïcha Kamoise. Tu dis que j'ai. Momo, il était dit que j'ai payé la mère d'Aïcha Kamoise. Quand tu parles de maman, Anna, maman Anna était en Facebook un jour. Non, mais attends que tu es venu payer, il faut te taire, quoi. Toi, ferme ta gueule. Quand tu es payé pour aller sur le père de Vuni à la mort, son père, il dit qu'il était dans les réseaux sociaux. Dis donc, Aïcha Kamoise est sortie de la, du problème, elle est entrée dans le clash. Parce qu'elle a clashé Madame Fingon. Elle a dit à un homme marié que. Ne donne rien à ta femme. Ah non, ma chérie. Elle est sortie du clash. Elle n'a pas parlé de ce du sujet. Elle a dit, ne te donne rien. Ah bon? Alors là, j'ai dit que, allez, écoute, ma chérie. Comme tu manques le respect à cette femme, qui est une mère, qui est la mère aussi de quelqu'un, qui est aussi la femme de quelqu'un, tu dis à son mari que tu ne te donnes rien. Merde, que ta mère, elle a une vie. Pour te toucher, moi, je touche ta mère. C'est là où j'ai parlé des trucs. Elle est revenue à. Elle a été sage, elle m'a appelé, elle m'a parlé. Tata, si tu as à me dire, tu me dis, mais ne parle pas de ma mère. Je me suis excusé sur le coup parce que, mais je l'ai fait exprès. Et j'ai dit ça, j'ai dit que j'ai fait, je l'ai fait exprès. Tu m'as dit que ma chère, elle et moi, on s'est entendu. Elle n'est pas dans les clashs, mais elle s'est perdue un moment. Elle et moi, nous avons discuté. Elle reste ma fille. Quand je verrai sa mère, je vais présenter mes excuses, ça va passer. Tu m'as dit qu'elle a dit qu'il faut arrêter. Donc, voilà ça un peu. Donc, je la dépasse. Je la dépasse. Arrête ton faux Congo salé. Donc, mes chers frères, quand vous avez un problème de compter avec Amé, moi je te jure, sur la tombe de ma mère, là, je te déteste pas. Tu me fais rire quand je regarde tes âges. Donc, tu as décidé d'investir au Cameroun. Tu fais ton truc et tu fais ta vie. Ne fais pas de guerre inutile. Ça, c'est des guerres inutiles. C'est des guerres qui vont te freiner pendant que tu es enfermé là. Tu ne tu sais pas que on peut voler tes poules. Quelque chose peut arriver. Que peut-être c'est ta présence qui devait peut-être faire. Ta présence, c'est important quand tu fais un business au Cameroun. Tu peux t'absenter ne serait-ce que même pour 10 minutes et beaucoup de choses se passent. Donc, président Mouth, fais comme Lady Ponce. Elle m'a pardonné. Tu peux aussi pardonner ton frère. Ça ne sert à rien de poursuivre la procédure. Tu étais dans tes droits. Tu as ta raison. Que toi, tu nous as expliqué ça hier dans ton live. Où nous avons compris qu'il n'y a pas eu trafic d'influence. Il n'y a pas eu machin. Voilà. Et si tu as rendu compte, c'est normal. Même un avocat rend compte. Oh, Macron, il est quand même mignon, hein, Macron, là. Le mari de Brigitte. Le mari de Brigitte Macron. La bombe assise. Oh, ah! La force de la vieille mamite. La force de l'expérience. La force de Wolowos. Les anciens. Oui. Donc aujourd'hui, tu as pris conscience. Bon. Voilà. C'est ton frère. Nous avons compris. Pour ceux qui ont dit que Tata Lolo, tu veux racoler le président Amout. J'ai dit ça tous les jours que le président Amout, ce n'est pas mon, c'est pas mon ami. C'est l'ami, c'est le père, c'est le frère de ma soeur. De Yamseur. Voilà. Maintenant, s'ils ont pu à ça, mais on garde des bonnes relations. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends ma caméra pour parler. Voilà. Donc, mon mot illettré, arrête de mettre tes frères là dans les problèmes. Tu es en train de te porter tes enfants. Et tes frères là, doivent être comme ça. Toi, sa mère. Voilà son propre enfant qui est mort au Cameroun. Elle est restée 2 jours. L'enfant n'était pas encore. L'enfant encore était dans la terre. Le cœur de la maman de l'enfant encore saignait. Elle s'est assise là. Elle a insulté. Sa maman dit qu'elle demandait que bénis-moi. Ali Zomoben. Tata Ali. Oh, bénis-moi, elle est venue laver dans la maison. Dis-toi que toi-même savais. Où est ma maman aujourd'hui? Hein? Elle veut me parler qu'elle ne connaît pas le mariage. Tu connais le mariage? Le mari, la fille de ton mari, quand tu as épousé, a dormi sur le même lit avec le rival de son père. Premier rival de son père. La fille de ton mari, quand tu as épousé, a dormi, est partie à Rouen. Elle a vu comment la femme de son père a arraché le mari de sa copine et dort sur le lit avec le mari de sa copine. 2 fois. Tu veux parler de mariage? Hé, hey, maman. Où sont vous les maman? Hein? La fille de ton mari est partie à Rouen. Elle a vu comment la femme de son père a arraché le mari de sa copine qui est dans la maison pour dormir. Elle dort sur le même lit avec le mari de sa copine. Tiens, combien, il veut quoi? Je suis un grignon.
Tu es un grignom. Tu es un grignom. Aujourd'hui, elle avait dit que elle avait fait que même bien, il n'est pas envie de payer la fille. Hein? Donc ils sont venus vous dire, pour dire que le président a fait le trafic. Il n'y a pas de trafic d'influence. C'est son président de. Je l'ai dit que qui est venu détruire les réseaux sociaux avec le trafic d'influence. C'est de ça qu'il s'agit. On va lancer les sons. Hein? Le mari, la fille de ton mari a dit que sa mère parlait travailler tous les jours au camion au lieu 5. Le lieu de travail est cassé. Oh, tu as laissé la borderie pour rien. Tu fais toute la borderie. Avec ta belle-sœur qui fait maintenant les directs sur Facebook. Elle dit qu'elle fait à maigrir les gens. Tu fais la borderie dans son camion à Rouen. On va filmer, on va veiller encore mettre dans les réseaux sociaux. On t'a arrêté le CDI de camion depuis 16 ans quand tu fais le camion. 20 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 10 euros, chérie. Chatelli, bisous. Bisous, sucez, baiser, 15 euros. Sucez, baiser, 15 euros. Sucez, baiser, 15 euros. Chérie, sucez, baiser, 15 euros. Sucez, baiser, 15 euros. Chérie, sucez, baiser, 15 euros. 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 Mon mot, il est très. 16 ans, tu es sorti dedans, élan, élan. On t'a coupé. Maman, ta patronne est venue dire que tu arrêtes. Et t'embauche 300 euros par mois. Et bon, il est très. Bon. Si c'est baisé 15 euros, si c'est baisé 15 euros, si c'est. Tu comme le... Elle était vue comme le bail à Amsterdam. Que le planter mille fois. Ça passe des. Si c'est baisé 15 euros, 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 et 4. C'est baisé 15 euros, c'est baisé 15 euros. Et tu viens parler aux gens. La personne a dit que tu ne vas plus faire le travail là. Viens t'asseoir, je fais où tu travailles pour moi. Tu as travaillé jusqu'à. Ouais, t'entends, tu as en direct sur le téléphone si. Tu as travaillé jusqu'à. Et la putain, que maintenant, je ne veux plus travailler. Viens prendre le travail. À la billet, 300 euros, fiche de paye. Tu sais, baisé 15 euros, c'est baisé 15 euros, c'est baisé. Tu n'es que tu es travaillé, tu es travaillé à la société. Non, on va ouvrir la nuit. Oh, ma petite, laisse-moi tranquille. C'est vrai. Ma petite, ça m'a dit que je vais ouvrir. Ma petite, elle parle puis elle chante. C'est peut-être 15 euros, c'est peut-être 15 euros. Elle est devenue comme une balancière. Planter 5000, toi, ça. Je n'ai pas le téléphone. J'ai fait l'erreur qui fait le direct avec mon téléphone. Il y a le téléphone là. Ouais, le long Gloria le soir. Je voulais que le commande les balancières là. Faut planter 200, toi, ça. Planter 200, toi, ça. Maintenant, vers 18h, non, ça c'est le matin quand le plan est encore bien. Mais la CBD 15 euros, CBD. Bon, il était. Si c'est baisé 15 euros, si c'est baisé 15 euros. Et toute la journée, là, c'est moins 15 euros. Le soir, alors, quand il fait, là, c'est 18h. Il fait, aller demain, le camion, pour aller mettre à la gare. Si c'est baisé 10 euros. Si c'est baisé 10 euros, si c'est baisé 10 euros. Dernier marché, si c'est baisé 10 euros. Pi, si c'est baisé. Pipi, c'est vrai, 10 euros, c'est vrai, 10 euros. Le matin, c'est terrain. C'est vrai, 15 euros, c'est vrai, 15 euros, c'est vrai, que toute la journée. 28h, c'est vrai, 10 euros, c'est vrai, 10 euros. Bon, moi, il est tiens. Bonne soirée. Waouh. Maintenant, la patronne a dit que viens travailler sur moi sur Facebook. Elle est partie, la belle a fait le razzia. Le razzia, on dit qu'elle. Mais de débarquement de la patronne à boum 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 boum. Maman les vacs, maman les gens sautaient dans les brousses, les perroulés, tout. Et on s'est caché en bas des lits de une place. Les, maman, il y avait même un clochard là-bas. Maman, le clochard dit que pardon, madame, je dois à la gare du Nord. Je dois à la gare du Nord, mais ne me fumez pas, mais vous me cochez où là? Mais vous êtes malade, madame, mais ne fumez pas. La patronne a dit que je suis venu faire le, j'ai fait le razzia. Maman, on fait comment? Tiens, travaille moi sur Facebook. Tous les jours, travaille.
Flore, elle est montée. Flore, elle est descendue. Elle a fait comme ça. Elle est allée en Tunisie. Elle est montée. La patronne a dit que oh, j'ai pitié de toi, mon frère. Tu me guides à tout. Viens parler de toi, c'est héros. FDL, tu me guides à tout. On veut plus qu'on t'appelle Gringa. Maintenant, c'est un bon mot illettré. Viens t'asseoir. 300 euros tous les mois. N'est qu'à biaiser comment tu as pris sur la page. 300. Ce n'est plus que si c'est besoin 15 euros, si c'est besoin 15 euros. Mais oh, je vais chercher ta place. Chouane. Ouais, Adjop, Magnan, Nila, Wendo, elle avait dit qu'elle vient accoucher. Tu, mon frère, tu as une idée, tu m'as même vu dire qu'elle fait le poster. Tu dois que tu as le bad, elle a le bad, puis pour te le faire ça. J'ai dit que la milliardaire, tu sais, elle a entendu ça où? Quelqu'un a une milliardaire, la milliardaire la connaît Doudou Ngamba. La milliardaire la connaît la reine galloise. C'est la milliardaire de Doudou Ngamba qu'elle est partie voler. C'est la milliardaire la soutenait Doudou Ngamba. La milliardaire, là, c'est une antillaise qui soutenait Doudou Ngamba. Elle est partie, elle le dit, le Doudou Ngamba. C'est pour ça que la milliardaire, elle l'a vu. Elle a récupéré la milliardaire. Elle peut me dire que c'est ma milliardaire. C'est la milliardaire de Doudou Ngamba. Elle a récupéré la milliardaire antillaise. Venez mettre la milliardaire, elle a les problèmes jusqu'à. Maintenant, voilà le pointou de la milliardaire qui est dehors. Le pointou de la milliardaire est dehors. Le pointou de la milliardaire est dehors. La milliardaire. Prochaine direct. La milliardaire masse son corps devant l'enfant. N'oubliez pas. Envoie Menelomaya, pardon. Général Lolomania, Louise Annie, Lolo Gloria. La fin du mois, comme ça, je suis gamé. Envoyez-moi l'argent. Menelomania, mais tonton Lolo, il n'a rien là. C'est Lolo Pipi, la TV. Et toi, crie bien bigot. De comment Mougou. Emilia Ndale. Je vous adore, je vous aime. J'ai fini. Jeannette Morgan dit quoi? Que quoi? Bon, moi, il était là, fait même ça en direct de décryptage. Tu es ma chroniqueuse. Le terrain n'a pas encore commencé. Le général Lolomania, votre maman. Que je suis là, Tata Lolo, la fille du commissaire prison, le Toussi, je suis une gamine. Il y a les jeunes là, mais je voudrais que moi je prends mes jeunes directement sur PayPal. Donc parfois je n'ai rien que tout est dans PayPal. Il y a les jeunes là, mais il me reste que quelques paquets. Venez finir le stock. On relance un autre stock. Finissez le stock de celui-ci. Abonnez-vous sur Kobe et partagez la page. Nous avons notre première invitée dans 2 semaines. Elle est blogueuse, elle est belle, elle est intelligente. Si vous trouvez le nom, vous aurez un cadeau. C'est qui veut pas. Ah bon? Et il y a quelqu'un qui dit que, en France, si on te porte plein pour injure des réseaux sociaux, tu payes 12 000 euros. Et, ah bon? Ah, je ne savais pas, Josepha. Je ne savais pas. Ben, j'ai été arrêté, Josepha. Je suis arrivé. Tu n'es pas arrêté. Tu n'es pas d'accord. C'est la loi. Ouais, que la panthère du zoo divine des boucs. Il a fait 300 commentaires sur Yamsen. Maman, il va tenir. c'est toi qui viens. Silice d'or. Ouais, Lolo Poutine, j'ai déjà panthère. Merci beaucoup. Allez dans les groupes même des Maliens, des Sénégalais. Vito a dit que quand Madame la Bami Pawa prend tes cœurs pour aujourd'hui. Je suis Bami Pawa en Apian, c'est le Cameroun Pawa, pas là-bas. Va m'insulter. Tu n'es plus avec ton frère. Ouah! Yeah, d'accord. Bon, je vous jure, si vous voulez que je ne l'ai pas possédé, moi, il m'en fout. Rêve bien, je suis parti. Rêve bien, il dit que Sylvie Ténière, personne ne peut détruire l'église. C'est Sylvie Théière, c'est ma soeur, c'est ma sister à moi. Marie-Jacqueline, bonsoir. Et n'oubliez pas les filles. Moi, mais je compose les lettres de Njansan. J'ai fait une composition comme ça dans les blancs et j'ai un très bon savon. Mes filles, j'ai un bon savon pour le Njansan. J'ai acheté ça au Château Rouge. Je n'ai pas vous mentir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui manque. J'ai acheté ce savon au Château Rouge. J'ai pris ça parce que j'ai lu la notice. Parce que mon savon était fini. J'ai pris 2 morceaux. Maman, le savon là, c'est la. Moi, je revends ça. J'ai acheté ça à 10 euros. Mais je vous revends ça à 20 euros. Celle qui veut qu'on envoie, elle paye l'envoi.
Donc, je revends le savon là, hein, à 20 euros. Regardez mon teint. Attendez, je vais aller dehors. Non, je n'ai pas envie de me déplacer. Regardez. Ça, c'est parce qu'il y a même pas assez de lumière. Regardez mon teint. Le savon là. Putain de merde. Le savon là, c'est un dollar savon. J'ai pris ça à 10 euros. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne sais pas mentir. Mais je vais revendre ça à 20 euros. Donc, pour gagner là, tu m'envoies. Normalement, je vends à 15 euros. Mais là, si tu m'envoies, tu payes l'envoi. L'envoi, c'est 5 euros. Je dois gagner ma part de 5 euros dedans. Donc, je vends à 20 euros. Winning en SR, je vends le savon là. Et je vous compose le lait. Maman, envoyez-moi là, je vous compose. Moi, j'ai compris mon lait. Oh, putain. Voilà, les gens viennent mentir que elle vend. On va même pas entrer dans ça. Emile est dans l'air. Bisous les filles, n'oubliez pas l'application TapTapSend. Ce mois-ci, je suis fier de vous parce que mon message passe. Ce mois-ci, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le code promo LOLO237 sur l'application TapTapSend. Vraiment, vous êtes honneur. Continuez à utiliser le code LOLO237 sur l'application TapTapSend, le moyen le plus sûr pour avoir de l'argent au Cameroun. Vous téléchargez cette application dans votre téléphone, sur Play Store ou dans d'autres trucs, plateformes, je ne sais pas trop. Et vous envoyez l'argent rapidement au Cameroun à n'importe quelle heure. La personne à qui vous le destinataire et reçoit de l'argent dans son Orange Money une fois que le mandat a été effectué. Donc, quand tu effectues le mandat, une fois que tu cliques envoyer, la personne reçoit un clic dans son téléphone de Orange Money ou MTN Money qu'il a reçu de l'argent. Et dès qu'il a reçu l'argent, au Cameroun, dans n'importe quel petit coin du quartier, il y a quelqu'un qui a Orange Money ou MTN, il récupère l'argent. Il y a parfois les problèmes d'urgence au Cameroun. Avec TapTapSend, tu résous ça à toute heure. Fini les anarches dans les agences des agences de transfert d'argent au Cameroun. Fini les files d'attente dans les agences. Fini les problèmes de c'est récépissé, c'est ceci ou cela. Avec TapTapSend, vous avez la clé, vous avez la solution pour envoyer de l'argent au Cameroun avec tout le don, avec assurance et sécurité. Donc il suffit d'avoir une carte Visa ou une carte bleue et puis le tout est joué. Vous avez pu profiter de mon compte LOLO237 pour avoir 5 euros de plus dès le premier envoi. Même après le deuxième envoi, vous bénéficiez aussi d'un code promo que vous pouvez faire profiter à l'un de vos proches ou à un des amis ou proches, quelque chose comme ça. Donc, vu que j'ai fait ce direct là aujourd'hui, je ne pourrais plus faire le direct de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain tout en souhaitant que le problème du président Amote et de Amer Kamer, on puisse trouver une solution et que les choses reviennent en ordre et on continue à s'amuser et à s'enjailler dans les réseaux sociaux entre nous. Quel qu'en soit le problème qu'on peut avoir, il faut éviter de souhaiter le mal à l'autre. Amer Kamer, c'est que nous, les Lolobaya, nous avons fait, c'était juste un lavage de cerveau à ta bombo illettré qui a l'habitude de vous entraîner à vous moquer des personnes qui sont en difficulté parce que moi, elle vous entraîne. Ne le faites plus. Restez dans la posture du rassemblement. Restez dans la posture du vivre ensemble. Parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes appelés à être ensemble. Parce que les réseaux sociaux, nous formons déjà une famille. Même si certains, je ne parle pas avec certains. Quand je ne vois pas une, je demande où elle est. Je ne la vois plus. Je ne sais pas vous mentir que hier, quelqu'un m'a demandé où était Élise Battante. Parce que oui, j'ai dit que mais elle est là, elle est au Cameroun. Je ne sais pas là. Il y a une autre qui m'a déjà demandé l'autre jour. Elle s'appelle même comment? Elle s'appelle même qui encore? La fille là. C'était même hier qu'elle demandait où elle est. Elle s'appelle même qui? Comment elle s'appelle? Oh là. Elle s'appelle qui la fille Bassa là? Elle s'appelle. Je rappelle, pardon. Comment elle s'appelle encore? Ah, bref, j'ai oublié son nom. J'ai demandé où elle était parce que ça fait longtemps que je ne la voyais pas. Pas Danka, c'est donc son nom même. Divine Bordeaux. Pas Lydia. Oh, Lydia, je la vois de temps en temps.
Elle, non, pas celle-là, Kunta qui t'es pas elle. Il y a la fille Bassala qui fait son idée là où elle est très très crue avec les bamlekés là. Elle s'appelle comment? Perle de luxe. Voilà. J'ai demandé que, mais elle est où? Franchement, parce que elle était perdue dans ma tête. On m'a dit qu'elle s'est mariée bientôt et tout et tout. Voilà, même si on ne se parle pas de temps, on se demande des nouvelles. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Celui qui va tomber sur cette page, abonnez-vous massivement, massivement, abonnez-vous. Parce qu'il faut au moins, quand je suis une grande blogueuse, il faut au moins qu'on ait au moins 50 000 abonnés d'ici mi-mai. Donc abonnez-vous. Louise Bena, bonsoir. Cindy Fosworth, Ernest Nyorceline, tu es venu en retard. Tu es venu en retard, chérie. Tu es venu en retard. La Fortune Diké, Niamsna, Renke. Dis donc, pas celle-là. Chanel Morgan, bisous à tout le monde. Sylvie Tenier, bisous, bisous. Léa Bess, Tata Lolo, où est le décrypteuse? Je cherche mes billets. S'il y a une parmi vous, si vous avez une fille à la maison qui ne fait rien, qui a envie de travailler avec Tata Lolo TV, n'hésitez pas à aller me contacter. Je cherche des chroniqueuses. Je cherche aussi des filles pour présenter des émissions. Hein. Ben, c'est pas toutes les émissions que c'est Tata Lolo, parce que bon, voilà, il faut aussi un peu changer de personne, de visage. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Clarisse Nubisi, tap, c'est un héros coquille, bonsoir. Tu télécharges dans ton téléphone. Tu pars dans Play Store ou je sais pas où, je sais pas avec iPhone, c'est avec quoi on télécharge sur les iPhones, je sais pas. Tu télécharges l'application dans ton téléphone, le logo est vert. Il faut faire attention, tap, c'est. Et après, tu suis est-ce que les instructions. Et il y a un endroit, il faut dire code promo, tu mets Lolo 237. Styliste le leur, bonsoir. Linda, la métisse noire. Un bigot à Linda Adelaide, ma copine aussi. Nias, moi, bonsoir. Bisous, bisous. Et puis, on se dit à demain pour notre direct. Amé, Kamel, Amot, c'est ton frère. Que les gens ne te demandent pas. Je vais reconnaître ici que tu n'aimes pas les ennemis. Tu te défoules, tu dis des choses parfois bien, parfois crues. C'est ton toi, c'est ton amère, ta mère. Moi, je ne peux pas te souhaiter le mal. Je le dis en regardant mes parents. Parce que je dis à mes parents, quand je fais les choses, quand je regarde, j'ai fait un petit rire. Je lève mon regard vers eux. Je ne te souhaite pas le mal. Mais je n'ai pas aimé comment ils ont réussi à te manipuler. Sur ce, je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Que le Seigneur vous garde et qu'on reste ensemble. Continuez à vous abonner. Sur ma part, s'il est libre, c'est bien, tant mieux. On ne veut pas le contraire. C'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de menteurs. Voilà, bisous, bisous. Tu la poses, allez, bye bye, je te bloque parce que je ne veux pas que tu appelles ce nom ici. Prochainement, tu seras bloqué. Le logo est vert avec l'oiseau, Lolo. Oui, le logo est vert avec l'oiseau. Voilà. Non, j'ai fait la pub des produits. J'ai parlé des genoux en maigrissant depuis, maman. J'ai les gélules à maigrissant pour maigrir. Voilà l'été qui arrive, les filles. Profitez de mes gélules. Ça, c'est là de... Videz le stock, là. D'ici le mois, si vous faites une cure de un mois, tout le mois de mai, vous pouvez perdre 5 à 7 kilos. Et ça fait quelque chose pour l'été. Bisous là-bas et bye-bye. Merci, le salé. Bye-bye.